Eh bien, salut à tous les amis, c'est Benoît, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau The Ender Ring. Et ça fait longtemps que j'en ai plus fait un sur PS2, dis donc. Je pense que mon dernier The Ender Ring sur PS2, bah, c'était tout simplement le jeu... Oh, je sais même plus. Est-ce que c'était Formula One 2006, ou bien alors est-ce que c'était Contra Shatter Soldier? Je ne sais plus, mais en tout cas ça date, et ça fait même longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur PlayStation 2. Et donc voilà, on se retrouve sur les traces du Baron Rouge, les amis. Alors voilà, c'est un jeu de PS2 assez vieux, un jeu d'aviation de la Première Guerre mondiale, et je vous rappelle que l'idée m'est venue de faire ce The Enduring lorsque j'ai fait la mission sur Medal of Honor Bataille du Pacifique, la mission où on était en avion. Parce que la mission en avion ressemblait fort au style de gameplay qu'on avait sur les traces du Baron Rouge. Et donc je me suis dit que comme The Enduring à la fin de la série, ben je le ferai sur ce jeu-ci, simplement parce que ça m'a donné l'idée que ça reste un peu dans le thème du coup. Voilà, donc je vous rappelle que ce The Enduring-ci donc sert à la transition entre Medal of Honor Bataille du Pacifique et Medal of Honor Les Faucons de Guerre. Voilà, donc après ce The Enduring-ci, on commencera Medal of Honor Les Faucons de Guerre. Voilà, donc ça va faire bizarre, un nouveau Medal of Honor de mon enfance, aussi sur PlayStation 2. Et là, donc, on est parti donc pour une très très longue vidéo, car on va essayer de faire tout le jeu donc en vidéo, comme notre bonne vieille habitude. Alors attendez, parce que... Alors là, oui, je vais vous faire une petite information avant qu'on commence. C'est que là, pour ceux qui suivent ma chaîne secondaire, vous êtes déjà au courant. Mais sinon, pour les autres, on n'est pas au courant. C'est que là, maintenant, pour filmer sur console, j'utilise un nouveau système. Alors, non, c'est un système qui sert à ce que la qualité audio soit meilleure, pour éviter qu'on entende un écho. Mais le seul problème de ce système... c'est qu'il est très galère à mettre en place pour moi. Du coup, si jamais je remue beaucoup ou quoi, je m'en excuse. Je dois souvent vérifier que mon micro fonctionne. Là, il est bien, voilà. Je vais essayer de mieux le positionner, attendez. Comme ceci. J'espère que le volume est bon. Désolé, j'ai pas encore l'habitude. Attendez, je leur bouge encore un poil. Voilà, est-ce qu'on m'entend toujours? Magnifique. Alors, on va commencer une partie. Donc, c'est un jeu donc, de la Première Guerre mondiale, pardon. Qui se passe uniquement en avion, donc c'est les premiers avions de guerre et tout, donc à l'ancienne époque. Alors je ne sais plus de combien de niveaux est constitué ce jeu. En fait, ça fait des années et vraiment, j'ai presque plus aucun souvenir. Alors la musique par contre, elle est vraiment chouette, ça je m'en rappelais. C'est une musique quand même assez marquante. Mais par contre, je me rappelle de presque plus rien du jeu. Tout ce dont je me rappelle, c'est que c'est un monde open world dans lequel on doit se rendre à des endroits pour commencer une mission, et les missions bah, sont relativement faciles, d'après ce que je me souviens. Après, j'aurai peut-être des surprises, je ne sais pas. Bref, on va commencer une nouvelle partie. Voilà, et maintenant nous allons devoir choisir notre nationalité et notre avion. Alors, on a les Français ici. Les Britanniques. Encore un Britannique. Et les Américains. Ok, donc on en a 4, c'est bien ce qui me semblait, c'est le premier souvenir. Donc, J'effleure les cieux avec la grâce de la colombe. Ah d'accord. Mais écoutez, je vais juste prendre celui que je trouve le plus stylé. C'est chaud en vrai. J'aime bien celui-là. Celui-là, je l'aime pas trop. Le français est un peu trop... Mais lui, le truc, vous voyez, c'est qu'il parle français. Et ça, c'est bien. Non, je vais prendre le plus stylé. Mon préféré, c'est celui-là, je trouve. Alors, je prends celui-là. Confirmé. Il a perdu son monocle. Ah, franchement, ça va être une redécouverte totale. Encore plus grosse redécouverte que les Medal of Honor. Parce que ça fait vraiment des années, sans exagérer, je pense que ça fait genre 6-7 ans que je n'ai pas joué à ce jeu. Alors là, on est en Europe, c'est indiqué en haut à gauche. Et là, on va directement être en open world, hein, je pense. Je pense qu'on est directement lancé, si je me rappelle bien. Je pense pas qu'on a de cinématique ni rien. Après, peut-être que mes souvenirs sont corrompus. C'est bien ça. Alors attendez, comment ça se pilote déjà? Donc voilà, donc là, je suis déjà en jeu. Alors évidemment, c'est un jeu de PS2, un très vieux jeu de PS2, du coup... Soyez gentils avec les graphismes. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est essayer de s'y faire avec les contrôles. Alors ce qui est en rouge, ce sont des ennemis, donc on peut tirer comme ça. C'est quoi ça? C'est un char? Non, c'est un petit bulker. Il me tire dessus, je vais essayer de lui tirer dessus. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc en haut à gauche, on voit ma barre de vie. En bas à droite, on voit une boussole dans laquelle on voit qu'à droite, je sors des limites. Voyons voir si c'est vrai. Si je vais aller là-bas, voilà. Mon avion fait demi-tour automatiquement.
parce que je suis sorti des limites, ok? Donc là, ça va être... Dans un premier temps, je vais m'y faire au contrôle, hein. Donc là, il y a un avion en dessous, je vais essayer de... Putain, c'est chaud! Heureusement, ma barre de vie ne baisse pas de trop. Alors en bas à droite, je vois qu'il y a deux... Il y a une barre jaune qui se remplit. Ah, ok, la barre jaune signifie mon altitude, je crois. C'est bien ça, ok. Alors tous les cibles rouges, ça doit être des ennemis qui doivent être loin. Si je fais pause, objectif mission, aucune mission active en effet. bon, pas besoin de sauvegarder ni rien. Est-ce qu'il y a une map que je peux ouvrir? Ok, en faisant ça, je peux... Ah ok, en appuyant sur R2, je peux voir ce qu'il y a en dessous de moi. C'est assez pratique. Et lui, est-ce que je peux le détruire à la fin ou quoi? Même j'arrive pas à le détruire, c'est un truc de dingue. Donc dans un premier temps, je vais essayer vraiment de m'y refaire au contrôle, parce que ça fait vraiment des années et des années que je n'ai pas joué à ce jeu. Et donc c'est très perturbant pour moi. Est-ce que je peux le détruire cette merde? Ah voilà, ça y est, putain, c'est chaud. Alors ce qui est en vert, c'est logiquement mes alliés, ben dis donc, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a qu'un seul. Alors je vois que j'ai des torpilles, j'en ai 5 apparemment, ça a indiqué en bas à droite. Comment je les largue? Ah! Ah! Là je peux accélérer, regardez. Là je suis à la vitesse normale et là j'accélère. Ok, donc je peux aller plus vite. Ok, quand j'accélère, regardez, il y a une barre rouge en bas à droite qui se remplit. Qui signifie tout comme mon appareil est en surchauffe. Ok, et j'ai des petits. Je vois parfois des symboles d'avion. Regardez par exemple, là, à droite de l'écran, il y a un symbole d'avion. Ça veut dire qu'il y a un ennemi par là. Là, il y a un autre bunker, on va essayer de se le faire. Donc là, c'est le mode open world, hein. Là, c'est le mode libre, entre guillemets. Attendez, là, il y a un avion! Wow! On a failli se rentrer dedans! Putain! Parce que je pense que quand on se rentre dedans, c'est la mort instantanée, hein. Il est passé où? Ah, il est là! Oh, il fume! Je vais me le faire! Eh, je peux mal, là! Le tout, c'est de bien rester derrière lui. Voilà, là, il va prendre cher. Voilà, on l'a eu! Magnifique. Alors je ne saurais pas vous dire de quelle année est ce jeu. Bah attendez, on va regarder, vous savez quoi. De quelle année est sur les traces de l'or en rouge. C'est un jeu sorti en 2005. Ah oui, quand même. Oh, pour un jeu de 2005, graphiquement, c'est tout juste, je veux dire. C'est pas exceptionnel. Attendez, il faut que je me repositionne parce que je me suis levé et du coup j'ai tout désorganisé. Parce que mon système est assez complexe. Attendez, désolé. Hop là. C'est bon, je crois. Ok. Bon, on reprend. Comment? Ah oui. Je suis pas sur PS3, Benoît. Ok, bon. On va pas non plus passer 3 ans dans le mode arcade, parce que le but, c'est quand même de finir le jeu. On va juste essayer de comprendre comment on utilise les torpilles, et je pense qu'on sera bon. Peut-être L1. On va voir. Oh putain, c'est moi, il y a un avion qui m'a frôlé la gueule. Oh, c'est un de mes alliés, ça. Salut, l'allié. L'ami. Salut, l'allié. Attends, il a besoin d'un coup de main. Je vais l'aider. On va se le faire à deux. On peut pas lui tirer là-dessus, surtout. Voilà! Magnifique! Alors, on va essayer de faire un bombardement sur le bunker qui est là-bas. Alors, peut-être L1? On va tester au hasard. Donc, je vois une cible sur le sol qui indique où est-ce que ça va bombarder. Attention. L1? Non. Ah non, ok. L1, ça sert à ralentir. Quand j'appuie sur L1, je vais plus lentement, peut-être pour être plus précis. Ah, ok, comme ça, vous voyez, si je vais plus lentement, je peux plus prendre mon temps pour tirer sur le bunker qui est là, par exemple. Il est avec moi, lui, non? Non, non, c'est une cible rouge sur la carte, je le vois. Ok, non, j'ai cru que je faisais une connerie, mais non, ça va. Je suis pas con à ce point-là. Putain, arrête de me tirer dessus! J'ai une petite rivière ici. Mais comment j'utilise mes torpilles? Allez, on va essayer toutes les touches. Carré, triangle, rond. Ok! C'est rond! Donc, on va tester sur le bunker qu'il y a là. Donc, pour regarder en bas, c'est comme ça. Ok. Donc, là, on s'en approche, on tire un petit peu. Hop, 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 hop. Là, on regarde bien en dessous de nous et rond. Il était détruit, ouais. Ouais, il est plus sur la carte. Parfait. Wow! Il est fou, lui. Il est passé où? Oh, vas-y, on passe en dessous du pont. En mode héros de film d'action. Je suis un fou. Oui, ça ressemble pas exactement à Medal of Honor Bataille du Pacifique pour la phase, mais... C'est une des phases en avion, donc c'est ce qui m'a rappelé ça. Attention à notre allié, là.
Il fume en tout cas. Bref, on va commencer quand même l'émission parce qu'on va pas perdre trop de temps, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Alors il faut suivre la flèche qui est en bas de l'écran pour se diriger vers notre prochaine mission, donc on va y aller. Ouais, un petit peu accéléré, comment accélérer déjà? R1, oui voilà. Pour aller plus vite. Il y a quelqu'un qui me tire dessus ou c'est moi? Est-ce que je peux tourner ma caméra? Voir ce qu'il y a derrière moi. Non, je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière moi. Je peux voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de moi. Tant pis. Je vois un point vert sur la carte, je suppose que c'est là-bas où se trouve ma mission. Ah, voilà, il y a un gros halo vert, il faut rentrer dedans, voilà, je me rappelle. Alors le truc, c'est qu'on va devoir faire un certain nombre de missions en Europe, et puis après on changera de zone. Ça, je m'en rappelle, mais je ne sais plus après combien de missions, et je ne sais plus combien il y a de zones. Donc voilà. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. C'est parti! Écoutons. Voilà l'occasion parfaite de prendre l'avantage sur l'ennemi. Un de nos espions a pu accéder aux commandes centrales ennemies. Nous vous demandons de détourner leur attention pour que nous puissions inspecter le bâtiment. Nous voulons que vous suiviez un plan de vol précis. Ne vous détournez pas de cette trajectoire et comportez-vous comme si vous effectuiez une simple mission de reconnaissance. L'ennemi ne doit pas se douter de ce que nous préparons au sol. Nous espérons réellement que l'ennemi enverra un ou deux avions pour vous intercepter. Ne les attaquez pas. Faites-les tourner en rond jusqu'à ce que l'espion en ait fini. Dès que notre agent aura terminé, vous serez libre d'attaquer tous les avions de chasse qui se présenteront avant de revenir à la base. Bonne chance. Ok, donc, il faut d'abord passer les points de cheminement, donc en mode avion de reconnaissance, je suppose. Puis il faudra éviter tous les avions ennemis. Donc il faudra que je les esquive, parce qu'ils verront un avion de reconnaissance, ils voudront m'abattre, mais je devrais les éviter pour faire genre je ne suis pas menaçant. Et puis après, quand j'aurai l'ordre, je devrais éliminer donc tous les avions. Ok, c'est parti, donc je dois aller derrière, passer dans les points, donc... Petite musique stylée. Ok, donc je dois rentrer dans les cercles comme ça. Ouais, je sais, ça fait un peu arcade comme jeu, mais c'est vrai. Ils disent derrière le dos de la boîte que c'est pas un jeu de guerre, ils disent que c'est un jeu d'arcade. Donc voilà, en gros, là, il va falloir passer dans les différents sacs, j'ai un peu accéléré, pour faire, donc, genre, une mission de reconnaissance. Donc ça va être un jeu, au début, assez simple, je pense. Mais dans mes souvenirs, c'était pas tout le temps aussi simple que ça. Hein. Sur un bord de boost, parce que si elle arrive au max, je ne sais plus ce que ça fait. Ok, ça doit être l'arrivée. Les musiques sont bien, par contre. Je m'en rappelais plus. Ok, voilà. Éviter les avions ennemis jusqu'à l'heure d'attaquer. Ok, donc là, je dois les éviter. Je ne dois pas leur tirer dessus. Objectif accompli, voilà. Maintenant, je dois les éliminer tous les deux. Il n'y en a que deux, je crois. Ok. Première mission très très simple. Alors attendez, il faut pas que je les laisse se mettre derrière moi, sinon je suis dans la grosse merde. Ah bah, voilà, parfait. Là, je suis derrière lui. Ah, je dois recharger des fois. Voilà. Ça va vite. Là, j'ai plus de balles, voyez-vous. Donc je dois attendre un peu. Ok, oh, regardez en dessous. Ça m'a donné des munitions que je peux aller ramasser. Ah, ça me donne des torpilles supplémentaires. Ça, c'est cool. Écoutez, je redécouvre le jeu avec vous. Oh putain! Wouh! Il a failli se faire un frontal. Où est-ce qu'il est passé? Parfait, je suis derrière lui. Bon, au début, ça va être très très simple. Hein. Ah, ok, quand je tire, regardez, j'ai aussi ma barre rouge qui augmente. Donc, ce n'est pas que mon boost, la barre rouge. C'est toute la puissance de mon avion, donc en gros, ouais, c'est pour ça que j'avais plus de balles tout à l'heure, parce que la barre rouge devait être au max, en fait. Voilà, mission accomplie. Ça a été très vite, c'était très simple. Oh, regardez, j'ai droit de la vie, là. Oh, j'ai eu un free... Bah, ok, je peux pas encore ramasser. Donc là, on voit nos stats. Alors, c'est vrai que j'ai pas regardé les stats des avions, mais ils ont chacun des stats différentes. Regardez en bas à gauche. J'aurais dû regarder, peut-être, avant de choisir mon avion, parce qu'il y en a certains qui ont une différente vitesse, différente précision de la vie et tout. Je n'ai pas fait gaffe, je vous avoue. J'ai juste pris le design qui me plaisait mieux, comme un con. Ok, donc tentative de mission une seule, donc c'est magnifique. En 2 minutes 13, on a tué 2 et 16,2% de précision. Ok. On va quand même sauvegarder, parce que j'ai quand même peur que ma vieille PS2 ait un freeze. Donc toutes les 20-30 minutes, je vous ferai une ellipse pour éviter qu'il y ait une désynchronisation audio. Juste pour éviter cela. Donc voilà, ce qu'on va faire dans le jeu, c'est qu'on va pas trop s'attarder dans le mode libre, parce que le mode libre est assez répétitif, vous l'avez bien vu, il n'y a pas grand chose à faire à part voler et tirer sur des petits bunkers et des avions dans le ciel
n'y a pas 36 000 trucs à faire. Donc là, on va juste créer une sauvegarde. Donc voilà, le Zendering est lancé, les amis, j'espère que ça va vous plaire. C'est un jeu relativement... oh, tranquille, on va dire. C'est un petit Zendering pour faire la transition, simplement. Vous savez bien que... ouais, mais Zendering, hein. Bon, allez, on va pas perdre de temps. Attendez, il n'y a pas un truc de soin qui était apparu au sol, là. Il a peut-être disparu entre-temps. Ah, il a disparu. Ah non, il est là. C'est bon. Voilà. Oh, la petite musique. Oh, quand j'ai récupéré de la vie. Ok, bon, allez, on va vers notre deuxième mission. On va pas perdre de temps. On va essayer quand même de faire le Zendering assez rapidement pour pas qu'il s'éternise. Ok, qu'un Zendering, ça dure plusieurs heures. Mais on va éviter qu'il dure 10 heures quand même, parce que sinon... je vais avoir un petit peu de mal à le publier. Allez, au passage, on va un peu s'entraîner. On va tirer sur lui. Voilà, ça sert à rien ce que je fais là. C'est juste du pur mode libre. Hein. Magnifique. Oh, il y a eu un petit... oh, ça veut dire que j'ai dû ramasser de la vie sans faire exprès. Ah oui, en fait, voilà à quoi ça sert le mode libre. Imaginez, vous n'avez plus assez de munitions, enfin de torpilles, ou plus assez de vie avant de commencer une prochaine mission. Ben vous tuez quelques ennemis en mode libre pour vous ravitailler, et comme ça vous êtes prêt pour les prochaines missions, voilà. Donc ouais, c'est assez malin. Bon. Ouais, on tire dessus, vite, je rentre dans la prochaine mission. Ok, on écoute. Nous avons su une information. Un ennemi transporterait des marchandises en passant par cette région. Voilà l'occasion parfaite de causer de lourds dommages aux lignes de ravitaillement ennemies. Il se peut que quelques avions ennemis patrouillent au-dessus de la zone. Nous pensons que leur couverture aérienne est légère. Le convoi se déplace vers l'est, le long de la route du nord. Localisez le convoi et détruisez-le. Ok. Donc je dois d'abord détruire donc d'un convoi ennemi, donc des camions qui transportent de la marchandise, et puis je dois éliminer les avions ennemis qui les couvrent. Ok, c'est parti. Où est-ce qu'ils sont? Attendez, mais je sais même pas où est-ce qu'ils sont. Ok, si, regardez sur mon radar, on voit... voilà, ils sont là-bas. Donc il faut qu'on se dépêche avant qu'ils atteignent leur destination. Alors le jeu il s'appelle Sur les traces du Baron Rouge parce qu'en fait le Baron Rouge c'est un aviateur ennemi très puissant à l'époque, il était très fort. Et donc je pense que, je sais plus, ça fait très longtemps que j'ai pu jouer, mais je pense que la fin du jeu, il faut vaincre le Baron Rouge. Je crois. Hein, je ne suis plus sûr. Alors des fois quand je tourne la tête vous m'entendrez plus fort parce que le micro il est juste à ma droite. Il est autour de mon cou. Et quand je tourne la tête pour regarder si ça filme bien, ben, je tourne la tête vers le micro. Donc je suis désolé. Et logiquement il n'y a pas de raison que ça bug, mais je suis juste un peu parano. Voilà notre cher convoi. Il y a 4 véhicules on dirait. Écoutez, on va essayer de les prendre par derrière. Oui, par derrière ça me paraît bien. J'espère juste qu'ils sont pas armés. Oh, ça m'étonnerait des petits véhicules comme ça armés. Ce serait bizarre. Allez, on va essayer de se faire un petit bombardement les amis. Oh oui, sur le pont, magnifique. Attention. Bye bye. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a fait comme dommage. Il en reste deux. Oh, regardez les pauvres, ils sont bloqués parce qu'il y a un véhicule endommagé sur le chemin. Oh, j'adore ce petit bruitage qu'ils ont rajouté. Ouais, il me servait un peu rien, j'avais toute ma vie. Bon bah on va se les faire à notre aise les derniers. On va ralentir pour avoir le temps de leur tirer dessus. Et de 1 et de 2. Ok, parfait. Maintenant on va aller éliminer les deux avions ennemis qui sont en train de se ramener. Ils sont là. Donc les ennemis, bah, c'est les Allemands. Hein. C'était comme la Première Guerre mondiale, hein, les pauvres Allemands qui sont toujours les ennemis. Alors juste attention de ne pas se faire un frontal, c'est le gros danger. On va pas accélérer parce que lui il va vite. Il essaye de fuir. Merde, ma barre rouge elle est au max. J'ai l'impression que derrière moi il y en a un qui me suit et qui essaie de me tirer dessus. Lui là-bas il est en panique. Je vais le défendre, Sei. Et voilà! Et derrière moi, il est où l'autre? En effet, il me suivait. Espèce de fumier! Il est où? Oh, il a disparu! Ah, il est là! Hop! Attention! Et voilà! Magnifique! Ok, quand on finit, il y a tous les bunkers et tout qui respawn, on est directement dans le mode libre, ok? Ça n'attend pas.
Et voilà, encore qu'une seule tentative, évidemment, c'était rapide, 2 minutes 53, on a tué 6 ennemis, oui, avec les camions et tout. Ok, je regarde, ouais, mon micro marche bien. Ok, alors, pendant la sauvegarde, les amis, je vais vous faire la première ellipse, comme ça c'est fait, et puis on enchaîne directement avec le reste. A tout de suite, les amis. Ok, re les amis, et c'est reparti. Je vérifie que ça filme bien. Ouais, ok, bah, désolé, mais vu que c'est une nouvelle technique pour filmer, je suis un tout petit peu parano. Alors c'est marrant parce que je me fais toucher parfois à donf, et je ne perds presque pas de vie. Faut croire qu'en mode libre, la vie, elle est assez facile à garder. Bref, on va directement à notre prochaine mission, hein, on va pas s'attarder évidemment. Parce que là, je vous avoue que c'est assez simple pour le moment, donc j'espère qu'on aura un peu plus de challenge par la suite. Mais dans mes souvenirs, il y avait des missions plus difficiles, donc... j'ai hâte qu'on y arrive, parce que Benoît, le grand challenger, pour lui, c'est rien du tout ça. Ou alors, dans le pire des cas, ce sera juste un zen du ring relax, et puis voilà. À mon avis, ce qui pourrait vraiment nous faire crasher, c'est genre, ouais, un accident. Alors, je me rappelle qu'il y avait moyen de faire des loopings, mais je ne sais plus comment. Ouais, je peux faire des trucs comme ça si je veux. Ouais, bon, comme ça, simplement. Putain, mais qui me tire dessus, là? Ils sont chiants. Allez, go! Troisième mission. Le neveu du commandant te propose une course. Je me suis permis d'accepter pour toi, car je sais que tu raffoles de ce genre de défi. Tu vas donc devoir affronter ce type sur un parcours aérien délicat, mais je suis sûr que tu t'en sortiras sans aucun problème. J'ai légèrement parié sur toi, donc donne-toi à fond et ne nous fais pas honte, ok? C'est quoi cette mission? Une course, d'accord. Donc imagine, donc à la Première Guerre mondiale, vous allez me faire croire qu'il y avait des aviateurs qui s'amusaient à faire la course. Ok, bon, bah, lorsque je rentre là-dedans, la course commence. Ok, c'est parti. J'entends un moteur. Donc j'ai certainement un adversaire. Quelque part derrière moi. Ah oui, il est là, ok. Donc j'ai accéléré. Ah, il est rapide. Juste attention de ne pas se rentrer dedans. Oh putain. Il essaie de me rentrer dans le cul ou quoi là? Faut juste gagner la course, écoutez. C'est une mission de guerre très dangereuse. C'est le début du jeu, je rappelle. Ne jugez pas trop vite. Alors, j'espère que la qualité image est bien et tout. C'est de la PS2, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. C'est extrêmement simple, en vrai. Là, c'est une simplicité monstre. Je pense pourtant que le jeu est PEGI 7. Mais c'est déjà une d'arrivée. Wow, mais c'était quoi cette mission? Elle était tellement dure, oh mon dieu! En combien de temps? 1 minute 12. Zéro tuile, oui, c'était ridicule. Bon, on va pas sauvegarder parce que sinon ça prend du temps. On va juste continuer. Voilà, on sauvegardera pas à chaque fois. Je pense que je ferai une sauvegarde lorsque je ferai des ellipses. Voilà, comme ça, on ne fait pas à chaque fois et on ne perd pas trop de temps. Regardez, il est là! Pas trop deg d'avoir perdu! Bon, bah on va directement à la suite, écoutez. Nous, on recherche un peu plus de challenge, là, ça va pas, là. En même temps, ils ont marqué derrière la boîte « Enfin, un jeu d'arcade facile !» Pour Benoît, la facilité, c'est pas tout le temps quelque chose de bien. Bon. Je mise un peu plus d'espoir dans cette quatrième mission. Du coup, je n'ai aucune idée de combien de temps va durer la vidéo. Je ne sais plus combien il y a de missions du tout. Et c'est parti. Bah oui, voyons. Les bâtiments ne devraient pas être trop durs à localiser, donc à toi de jouer. Et bonne chance. Donc, il faut localiser et détruire les grandes... les granges. Les grandes. Il faut détruire les grandes, donc. À l'aide de notre radar. Ok, donc on a le radar en vert où ils sont. Ne touchez aucune ferme, puisqu'elles peuvent contenir des civils. Ah, ok, donc il faut pas que j'attaque les fermes, sinon je peux perdre. Ah, ok. Repousser les avions intercepteurs ennemis, donc ils arriveront certainement après. C'est parti! C'est à droite. Wow, il y a beaucoup de trucs!
Donc je dois détruire tous ces bâtiments. Donc si jamais j'ai un trou de mémoire, je peux regarder mes objectifs, je suppose. Voilà, c'est ça. Nickel. Donc on va les tout faire péter. Alors je vois des points bleus sur la carte. À mon avis, les points bleus, ce sont les bâtiments de ferme. C'était quoi ce bruit? Oh putain! J'avais pas vu. Oh putain, oh putain, oh putain. Il y a un char ou un truc du genre là. On va essayer de le bombarder. Hop! Il est détruit? Non, un char, il lui en faut plus, hein. Je vois toujours le point rouge. A mon avis, les points bleus qu'on voit sur la carte, ce sont les bâtiments de ferme où il y a des civils, donc faut pas que je les détruise. Allez, explose! Voilà! Ok, donc là, il y a déjà un peu plus de difficulté, c'est qu'ils peuvent tirer des trucs explosifs. Donc là, ça, c'est une ferme. Ok! Simplement, c'est les bâtiments rouges qu'il faut faire péter. En fait, l'anglais il est marrant parce qu'il dit bye bye à chaque fois qu'il tue quelqu'un. Putain, ils sont chiants eux. Je l'ai pas eu. Putain, il y avait une grosse explosion et tout. Allez, explose! Là, c'est quoi, c'est de la vie? Oui! Nickel. Alors, ils sont les derniers bâtiments. Attendez, j'ai pas oublié des ressources en détruisant les autres trucs. Oh, si, regardez, à chaque fois que je détruis un truc, non pas à chaque fois, mais souvent quand je détruis un truc, j'ai gagné des ressources. Oh, mais c'est magnifique. Bon, franchement, c'est un jeu très facile. Faut dire, quand j'y jouais, quand j'étais très petit, du coup, le jeu me paraissait peut-être un poil plus dur que ça, mais là, maintenant que j'y rejoue, je n'ai plus aucune difficulté. Donc désolé, ça sera certainement pas un The Enduring avec du challenge, mais on va faire avec. Boum. Ah, il en reste un là-bas, il y a un véhicule là à gauche. Là, les avions arrivent, c'était mon objectif, c'était seulement de détruire les fermes. Hein. Pas eux forcément, mais je vais quand même me les faire, parce que voilà, j'ai plus de mérite comme ça. Alors je pense qu'il est pas mort, ouais non. Mais il me tire pas dessus avec son canon parce que son canon je pense qu'il tire que d'un côté. Oula, il y avait un avion. Parfait. J'ai juste peur de m'écraser. C'est la plus grosse frayeur que j'ai. C'est vraiment ce qui peut me tuer en fait. Et là-bas on va se le faire. Il est un peu loin, je vais accélérer. Salut! Oh l'enfoiré! Oh putain, attends, je peux pas y rentrer dedans, voilà. Et il est où? Là. Non, c'est pas lui. Ça, c'est l'autre. Ah oh, putain! Le chien me faire tourner en rond. Lui là-bas, il va crever. Et voilà! Et le deuxième, il est où? Il est là-bas. Et il fait encore demi-tour, l'enfoiré. Là, je suis derrière lui, parfait. Là, il peut plus rien faire pour fuir. Tu es mort, mon petit gars, désolé. Et voilà. Ouh, un petit looping de victoire. Ok. 3 minutes 40, ouh, c'est la plus longue mission qu'on ait faite, avec 10 ennemis tués. 52% de précision, waouh, joli. Alors, on enchaîne, on va pas perdre trop de temps. Non, en vrai, je pense que The Enduring va pas être si long que ça, parce qu'on avance vraiment vite. Après, je ne sais plus combien il y a de missions. À mon avis, d'après mes souvenirs, il y en a 20 ou 30. Je sais plus. Ou 40, je ne sais plus. Là, on a fait que 4, donc s'il y en a 40, on est loin d'avoir fini quand même. J'ai envie de me faire un bunker. Merde, j'ai plus de munitions. Bah alors, je vais le bombarder. Tu m'as donné des ressources? Il m'a rien donné. Bon, c'est vrai que cette mission-ci n'était pas encore vraiment difficile, mais il y avait un poil plus de difficulté parce que il y avait des chars ou des trucs du genre, enfin des chars, des vieux chars de la guerre 14-18 quoi, mais qui m'ont tiré dessus et qui m'ont fait bobo. Allez, go, on y va. Une de nos espionnes attend un colis spécial que doit lui transmettre un autre contact au QG ennemi. Nous allons devoir détourner leur attention pour lui permettre...
bombarder quelques cibles locales sur ton trajet, histoire de corser un peu les choses. Quand tous les yeux seront braqués sur toi, détruis chaque avion qui t'empêcherait de te poser en toute sécurité et fais monter la fille à bord. Bonne chance, et fais en sorte que vous reveniez tous les deux en un seul morceau. Ouais, ok. Ok, donc là c'est une mission déjà un peu plus longue. Il faut détruire le garage de camions à proximité pour faire diversion. Donc ça c'est une diversion seulement, puis il faut que je repousse des avions ennemis. Puis je vais aller déposer le colis donc. Et puis après je dois détruire le deuxième garage. Ok, il y a pas mal d'objectifs. Déjà, on va faire diversion en détruisant le premier garage qui en dit. Le garage est là-bas à droite, mais là il y a des véhicules, encore des espèces de petits chars on dirait. Oh putain! Ça c'est violent quand même. Je sais pas si je l'ai bien largué. Ah oui, c'est bon, il a disparu de la carte, je l'ai eu, nickel. On va se faire le petit bunker qui est juste là. Allez, détruit! Putain, c'est solide un bunker. Voilà. Pas assez pour résister à mes torpilles. Ce qui est marrant, c'est que j'ai un drapeau français sur l'aileron arrière, alors que j'ai pris un avion britannique. Ça, c'est bizarre. Je sais pas si vous avez vu, regardez sur l'aileron arrière. Voilà, là on le voit bien. Vous voyez? Bizarre. Peut-être pour dire qui sont mes alliés, simplement. Bon, ben voilà le fameux garage, on va se le faire, hein, sans problème. Bon, ben voilà, c'était facile. Alors maintenant, il faut détruire les avions ennemis, c'est ça? Ouais. Il y a du monde, là. Ouh là là, oh oui. Ok, ça va être un peu plus délicat dans tout ce bordel. Ne rentre pas dedans, s'il te plaît. Merci. Magnifique. Ça, je le prends. Ça fait toujours du bien. Putain, faut faire gaffe à ça. Là-bas, il y a une cible. Je sais pas ce que c'est. What? J'ai entendu une explosion. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, j'ai tellement peur. On dirait qu'ils veulent me rentrer dedans. C'est des kamikazes suicidés ou quoi? Je sais pas. Ils foncent droit sur ma gueule. Oh putain, je l'ai bien niqué de face, lui, ça c'est difficile à faire. Et le dernier, il est où? Putain, il est passé derrière moi. Là. Voilà, objectif accompli. Déposer le colis à l'endroit indiqué. Alors, il y a un point bleu sur la carte, mais là-bas, il y a un point rouge. C'est quoi? C'est un bunker? Ouais, c'est un bunker, ok. Cri de guerre. Alors on le détruit sans problème. Voilà. Putain, j'ai 9 roquettes, peut-être bien le max. On dépose le colis. Oh, une petite cinématique. Quelle grande cinématique. Regardez mon hélice, elle est toujours animée en mode. Enfin, elle est toujours designée en mode elle tourne, regardez. Ça, c'est un peu bizarre. C'est un peu bidon, mais bah, c'est pas grave. Objectif accompli, apparemment. Maintenant, je dois détruire le deuxième garage qui se trouve là. Franchement, c'est quand même extrêmement simple. Dans mes souvenirs, je vous dis, ça fait des années et des années que j'avais plus joué à un jeu. Dans mes souvenirs, il était plus dur que ça. Parce que Medal of Honor Bataille du Pacifique, quand j'y ai joué, la mission aérienne, elle était vraiment dure. Mais là. Pas grand chose. Ah bon, c'est pas grave. Voilà. Et maintenant. Ah, ça a pas suffi. Et voilà! Easy. Ah, ouh, y avait des munitions et de la vie, j'ai vu.
3052, 9,5 tués, d'accord, précision, 42%, c'est bien, c'est très très bien, bravo, 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 Benoît. Hop, et on continue. Regardez, ah non, il n'y a pas de munitions, c'était seulement de la vie. Écoutez, merci. Et on va directement à la prochaine mission, on ne perd pas de temps. Je me demande quand est-ce qu'il y aura une mission dans laquelle je pourrais mourir, carrément. Ça me paraît tellement simple pour le moment que ça me paraît impossible de mourir. Le truc c'est que mon personnage il parle anglais. Ça c'est le seul problème, du coup on comprend pas tout ce qu'il dit. Enfin, moi du moins je comprends pas tout ce qu'il dit vu que je ne suis pas très fort en anglais. Enfin si, je maîtrise les bases, mais là, en plus c'est une voix dans une radio et tout, donc c'est compliqué à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un peu étrange cette mission. Le service de renseignement de l'armée a demandé notre aide pour la reconnaissance d'une installation ennemie. Celle-ci est en grande partie souterraine, mais il paraît qu'il existe une entrée de service qui reçoit des livraisons quotidiennes par le même camion rouge à chaque fois. Une fois que tu auras trouvé cette entrée, survole-la plusieurs fois et prends quelques photos pour les gars de l'armée. Quand cette mission sera accomplie, tu auras une deuxième cible à faire exploser. Ne nous laisse pas tomber. Ok, attendez. Il faut d'abord rechercher et localiser le camion rouge, ok, donc c'est ce qui fait les livraisons bizarres dans l'endroit souterrain là. Il faut photographier la zone, localiser et détruiser la réserve de carburant, ok, et repousser les avions ennemis comme d'hab, ok. C'est parti. Oula, attendez, je sais même pas où je dois aller, il y a plein de trucs bizarres partout. D'abord, il faut que je localise le camion rouge. Ah, attendez, là-bas je vois qu'il y a un point rouge sur une route. Il y a des chances que ce soit lui. Non, c'est un bunker. Alors attendez, on peut pas tous se les faire parce que le camion rouge, s'il atteint la destination, ça va être problématique. Moi je parie que c'est lui là-bas. Ah, peut-être qu'il est pas en marche. Ah, il est là, ouais, je le vois. Et non, il est pas en marche, il est à l'arrêt. Bon, on va se le faire, hein. Au revoir. Et il est solide. On va le revoir. Voilà. Hein? Pourquoi est-ce que j'ai un temps de chargement, les amis? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, grande surprise, Benoît a perdu. What the fuck? Alors à mon avis, mon hypothèse sur ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai fait mon bombardement, j'ai dû toucher les bâtiments qu'il y avait à côté et que c'était des bâtiments alliés. C'est mon hypothèse. Bon bah on va réessayer, écoutez, il n'y a pas d'avance. What the fuck? Mais comment Benoît il peut perdre là-dessus? C'est humiliant. C'est humiliant. Bon, allez, go. Ah, je dois retourner à ma mission. Oh, c'est chiant, ça. Regarde ça en mode libre, tous les ennemis qu'il y a partout, quoi. Faire un petit looping pour la route. Wouhou. Là on va avancer là-bas comme ça. Oh, attention. Wow. Ça va faire mon cacou là, je fais des grosses conneries. Voilà, comme ça. Youhou. Salut mon petit gars. Wow. On y va à l'envers. Allez, on va aller jusque là-bas, à l'envers. En fait, ça change rien, en fait, de jouer comme ça. Ouais, si, c'est un peu plus compliqué à contrôler. Bon, deuxième tentative, et cette fois-ci, on va faire gaffe. Je vais plus lancer de torpilles sur la zone, parce que... Le jeu, il aime pas. Bon, on connaît déjà notre objectif. Donc, on va passer. Alors, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé, peut-être? Attendez, c'est bien ça que je dois faire au moins. Rechercher et localiser.
Ah, je dois rechercher et le localiser. Je devais pas le détruire en fait. C'est pour ça. Donc en fait, c'est parce que j'ai détruit que j'ai perdu. Hey, les munitions, j'étais dessus. Pourquoi il les a pas ramassés, ce trou-duc? Ok, donc il faut juste le relocaliser. Bah, désolé. J'ai mal compris la mission. Du coup, je suis con et j'ai perdu. C'est ma faute, voilà. Des bunkers, il y en a partout. On va pas s'éterniser. On va directement aller au camion qui est là-bas. Et donc, je vais juste le regarder. Écoutez, vu que c'est ce qu'il faut faire. Bon, bonjour petit camion rouge. Voilà, je te regarde. Comme tu es beau. Voilà, objectif accompli, d'accord. Donc pour ok, donc photographier la zone pour eux, c'est juste passer dans des cercles en fait, d'accord. On va faire ça. Hein. Je trouve que la texture des balles est assez bizarre. On dirait des rayons laser rouges. C'est un petit peu bizarre. Regardez. Un vol calme et tranquille. Encore. Attention qu'à droite, c'est un véhicule qui peut me tirer dessus des roquettes. Donc je vais aller me le faire parce que c'est assez dangereux. Localiser et détruire la réserve de carburant. Ok, je vais faire ça juste après avoir détruit lui. Boum! Il n'a pas été détruit, hein. Un deuxième. Là, voilà, j'allais dire. S'il n'était pas détruit, il y avait un petit problème. De la vie. Ah bah il est là le dépôt de carburant, c'est pas ça? Je sais pas, c'est indiqué sur mon radar ce bâtiment. Donc je vais le détruire. Hein. Bah ouais, c'était ça. Maintenant, les avions ennemis, il y en a trois, je pense avoir vu. Ouais, les voilà. Et de 1, camion rouge il est toujours en dessous, il faut pas le détruire en fait, d'accord. Oh putain! Wouh! On a frôlé la catastrophe. Voilà, et le dernier, il est là-bas. Ah, attendez, j'avais pas vu, mais il y a ça qui m'a donné des munitions, là. Enfin des roquettes. Voilà. Oh putain! J'ai vu son aile passer juste derrière moi, putain, encore fois la catastrophe. Putain, mais il m'emmène haut dans le ciel! Il est où? Mais il joue avec mes pieds là ou quoi? Non, il est là, putain! Surchauffe, que ça désurchauffe, je sais même pas si ce mot existe. Putain, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ok, c'est le demi-tour parce qu'il arrive au bord de la map. Et il est passé où du coup? Je suis perturbé. Il est là. Putain, il refait le même truc. Oh putain! Oh! On est en trop haute altitude en fait là.
Du coup, nos appareils ont du mal à voler. Là, ils sont en train de tomber tout seuls. Mais qu'est-ce que c'est? Mais je comprends rien de ce qui se passe là. What the fuck? Ok, je dois descendre, ça j'ai compris, mais... Mais il est où? Il est dans le ciel quand même. Mais putain, je ne trouve même plus mon ennemi. Mais je suis complètement attardé ou quoi? Là, je suis au bord de la map, du coup il me faut faire un demi-tour, ouais. Mais... Attendez, je comprends plus rien. Je vais descendre. Il est là-bas apparemment. Au-dessus de moi. Et il est là, mais putain, mais il est trop haut dans le ciel, mon avion, il s'est pas monté si haut. Il me fait monter en haute altitude, l'enfoiré. Pourtant, il est là, putain, il est casse-couille, lui, hein. Regardez, je peux pas monter plus fort que ça. Mon avion, il va redescendre. Ah, voilà, c'est, j'ai réussi. Putain, il était chiant, lui. C'est bon, on a quand même réussi au bout de... C'est pas combien de temps. 6 minutes 39, putain! Bon, du coup, on va faire une ellipse parce que là, on a perdu beaucoup de temps. Du coup, j'en profitais pour faire une petite sauvegarde, voilà. Allez, petite ellipse, on se retrouve juste après. Ok, tout le monde, et c'est reparti. Donc, je redescends, oui, d'accord, j'ai compris. Et je me dirige directement vers ma prochaine mission. C'est quand même un jeu facile, on va pas se le cacher. Et un jeu assez calme. C'est quand même assez différent des Medal of Honor, hein. C'est pas le même genre de jeu. Désolé, j'avais envie de m'en faire un sur le chemin. Salut l'ami. Ok, c'est juste là. Youhou. Alors. Les gars de l'armée ont rencontré quelques problèmes lors d'une attaque. La mission a été accomplie avec succès, mais une patrouille ennemie a repéré nos gars sur le chemin du retour. Leur véhicule a été endommagé et se déplace lentement. Ils ne peuvent pas abandonner le camion puisqu'il contient du matériel de grande valeur obtenu lors de cette mission. L'ennemi les poursuit activement et a établi plusieurs barrages routiers, ce qui leur laisse peu de chances de s'en sortir. Nous devons éliminer ces barrages, ainsi que tous les ennemis qui se trouveraient dans la zone et qui tenteraient d'attaquer. Veille à la sécurité de ce camion. Ok. Donc, en fait, le camion rouge, il est avec nous ou pas? Pour finir, je comprends plus rien, moi. Ok. Puis, je dois détruire tous les barrages routiers, détruisez les unités au sol de l'ennemi, et repousser les avions comme d'hab. Ok. Alors, d'abord je dois retrouver le camion rouge qui se trouve là-bas apparemment, d'après mon, d'après mon radar. Aucun ennemi à signaler pour le moment. Donc il est juste là. C'est bien ça. Ok. Détruire les barrages routiers donc pour que le camion rouge puisse passer. Donc en fait, le camion rouge, il est avec nous. Donc tout à l'heure, quand je l'ai détruit, je suis vraiment un interdit mental. Mais je sais pas, il est rouge. C'est des avions ennemis, ils sont rouges. Du coup, bah, dans ma tête, moi, je me suis dit, c'est un ennemi. On va détruire tous les barrages routiers. Attendez, mais c'est un ennemi, ça. Attendez. J'ai peut-être rêvé. Regardez tout ça, là, c'est des ennemis. Ils ne me tirent pas dessus. Ils sont en mode AFK. Mais c'est bizarre, il y a des ennemis, on dirait qu'ils sont AFK.
là, si je détruis ça... Ouais, lui devient un ennemi. D'accord, bah c'est bizarre, ils auraient dû mettre l'objectif en même temps, parce que ça fait un peu chelou, du coup. Voilà. Easy. Ah, le camion rouge, il est en train d'avancer, là. Merde. Mais vite, faut que j'aille détruire le truc là-bas, sinon il va se faire dégommer la gueule. Voilà, facile. Mais là, je dois continuer de protéger le camion rouge en allant tuer les deux avions ennemis qui sont là-bas. Ok. Bande de kamikazes suicidaires, bah. Nice. Et de 1. Et de 2, mission accomplie, c'était facile. Voilà, on l'a fait en combien de temps? 2 minutes 30? 28. Oh, à 2 secondes près, Benoît, il est fort pour estimer. Hein. Bon, on continue, pas besoin de sauvegarder. On enchaîne, nous, monsieur. Ah, ben, la mission est juste là. On enchaîne vraiment littéralement. Là. Let's go. Ils ont bien dit, c'est une mission difficile. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc déjà, je dois devoir détruire le centre de commandement, j'ai vu un truc comme ça. On va faire ça. Le centre de contrôle. Il y a des mini-dirigeables un peu partout. À mon avis, les mini-dirigeables servent à me gêner, en fait. Pour empêcher les attaques aériennes. Boom. C'est marrant parce que je bombarde à ras du sol, l'explosion a lieu sur moi limite, mais moi je perds pas de vie, c'est génial. Bon bah on va détruire. Waouh, c'était une mission difficile. Bah elle est pas finie, mais... Franchement pour le moment il n'y a rien de difficile. L'espionne va... Oh putain! Wouh! Là je dois détruire les deux avions ennemis, ok c'est parti, avec l'espionne qui est à bord avec moi. Même si je la vois pas dans l'avion, perso. Oh, ça va, c'est un vieux jeu de PS2, voilà, c'est pas non plus un jeu très connu, voilà, c'est bon, on pardonne. C'est un petit jeu auquel j'ai joué, voilà, pour faire une transition, donc voilà, c'est bon, soyez indulgents, ok. Voilà, mais c'était facile. Ah, mais même les avions ennemis, ils laissent de la vie... sous deux. Je ne savais pas ça. On m'en ramène l'espion. Enfin l'espionne, pardon. À la base. Et on aura déjà gagné. Mission difficile mon cul. Il y aura plein d'ennemis dans les airs, mais aussi sur terre. Il y avait deux bunkers sur le sol, deux avions dans les airs, j'appelle pas ça plein d'ennemis. On a déjà eu plus que ça. Faut dire, la map, je la trouve pas extrêmement décorée. C'est fort vide, je trouve. Enfin bon, c'est la PS2, c'est de la vieille époque, voilà. C'est sûr qu'il y a des jeux de PS2 mieux faits, quand même. On va pas se le cacher. Mais Medal of Honor est mieux fait que ce jeu-ci, voilà. C'est ça que je veux dire, par exemple. C'est 2005, hein, ce jeu-ci, quand même. Mais Medal of Honor Bataille du Pacifique, auquel on a joué, c'était un jeu de 2004. Je vous laisse comparer. Bon, c'était sur PC, mais quand même, quoi. C'est quand même 2004, quoi. Puis regardez, Medal of Honor en première ligne et Soleil Levant, 2001 et 2002, les jeux sont quand même mieux faits que celui-ci aussi, donc voilà. Là, il y a plein de ressources. On va les prendre en atterrissant. Atterrissage.
Même pas besoin d'atterrir. Allez, elle saute en parachute de l'avion et c'est bon, c'est fini. Ouais, voilà, mission déjà accomplie, écoutez. Combien de temps? Attendez, je regarde même pas, j'essaie d'estimer. Je vous jure, je la regarde pas. 3 minutes 12. Ah, non, j'ai fait un peu de trop. 48%, bon, ça va. Continuez. Oh, bah, regardez ça, la mission est juste à côté, mais n'est-ce pas magnifique, ça, les amis? On peut directement enchaîner. Ok, donc en gros, si j'ai bien compris, je dois détruire donc plein d'ennemis qu'il y a au sol dans le but de sécuriser donc nos alliés. Et puis je dois repousser les avions ennemis. Alors déjà, rien que là, avant de commencer, je sais déjà que les ennemis au sol seront juste à côté de moi parce qu'on voit en bas à gauche de l'écran des véhicules allemands, voilà. Ah non, non, ils sont pas allemands. Non, justement, ça c'est les véhicules alliés. Donc c'est eux que je dois protéger. Ok, bon, il dit de la merde. C'est parti. Par contre, j'ai cru voir sur les images qu'il y avait des véhicules puissants pour les ennemis. Hop. Hop. Il est même pas détruit. Attendez, 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 attendez. Ils vont les détruire, là. Attendez, je m'y prends mal. Je suis censé les couvrir, et là... Il se jette dans la gueule du loup, regardez! Non! Je joue comme une merde! Bon, on s'en bat les couilles de toi, il faut que j'aille le découvrir. Non, ils m'ont détruit un. Attendez, 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 c'est déjà plus dur là. Oh putain, il y a un petit. On canarde! Et là, il n'y a plus d'ennemis. Donc ils ont réussi à passer de justesse, putain, quand j'ai mal joué. Oh putain! Oh attention! Attendez, là c'est déjà plus dur. Je suis en train de fumer. Ils sont en train de tirer dessus. Putain, j'arrive pas à les tuer! Là. Putain, enfin! Attendez, c'est la première fois que je galère à ce point là. Elle me donne aucune ressource. Hey, je suis pas rassuré là. Donne-moi de la vie, toi. Il a rien donné. Putain, je vais mourir! Esquive. Les amis, c'est la galère là. Attendez. Caméra, hop. Putain, je l'ai eu. Dites-moi qu'il y avait de la vie sur lui, s'il vous plaît. Parce que là, je vous avoue que j'ai vraiment pris cher. Oh, alléluia. Combien de vie ça donne? Ah, ça donne pas toute la vie du tout. Chaud. Et il y a 3h30. Ah, là, vous voyez, je suis déjà content. On a eu un petit peu de challenge. Voilà, ça fait plaisir. Du coup, je suis pas serein pour la fin du jeu, si c'était déjà aussi dur que ça, là. Voilà. Voilà, vous êtes rassurés, vous aussi, voilà. Donc, Bono, il va pas tout le temps avoir facile. Ben ça va, je suis pas mort. Mais ah, t'es pas loin de la mort. On va se les faire. Et de 1. Et de 2. Il est où le troisième? Il est là. Bah écoutez, on va se le faire. Et voilà, mission accomplie. Par contre, là, il va falloir que j'aille trouver de la vie. Alors, combien de temps, j'estime? Ça va être notre petit jeu à la fin de chaque mission. Ça. Je pense que j'ai pris 3 minutes 49. Putain, je vois trop loin. Alors, attendez, est-ce qu'ils m'ont pas largué de la vie? Parce qu'on avait vu qu'il y avait des avions parfois qui lâchaient des trucs au sol.
Donc, je vais regarder. Il n'y a rien du tout là. Okay, bah, écoutez, je vais essayer d'aller détruire un bunker ou l'autre en espérant qu'il me donne de la vie pour ma prochaine mission. En plus, je fume, donc fumer, c'est mauvais pour la santé. Pardon. Mais c'est vrai. Arrêtez de fumer si vous fumez. Voilà, c'est un ordre. Ah, de la vie, magnifique. En tout cas, j'espère que le nouveau système audio vous plaît. Parce qu'il n'y a plus d'écho normalement. J'espère que ma voix rend bien parce que c'est dur de bien régler le micro et tout le bordel. Mais normalement, c'est la qualité audio que vous devrez avoir lorsque je vous ferai les vidéos sur Medal of Honor, les faucons de guerre. Et lui, il m'a rien donné comme vie, le radin. On va se diriger vers la mission, on va essayer de détruire peut-être un bunker ou l'autre qui est sur le chemin. Et s'il n'y en a aucun, tant pis, on fera la mission avec la vie qu'on a là, c'est le challenge. Il y a un petit bunker là-bas à droite, je vais essayer d'aller me le faire. J'ai l'impression qu'il y a un avion qui me suit, ça me plaît pas. Ah voilà, de la vie, parfait. Là c'est bon, j'ai assez de vie, on y va. Prochaine mission, c'est la quantième, la 9e ou la 10e déjà? Mission 10, ah ouais déjà. Ok, donc là ça va être un gros combat aérien d'après ce que j'ai compris. Donc il y aura un chef et il y aura tout son escadron. Voyons voir. Ça va encore. 5 avions. Bon, faut quand même faire gaffe qu'ils peuvent me canarder. Alors le chef, comment je le reconnais? C'est une bonne question. Et on ne rentre pas dedans, bande de kamikazes suicidaires. Voilà. Oh, des munitions, elles apparaissent dans les airs maintenant. Carrément. Bon, il est où leur chef? Putain, ils vont se rentrer dedans là, eux. Ah, il est là, je pense que c'est lui, regardez, ouais, ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ok, c'est un avion différent, ok. Il y en a un qui s'est paumé là-bas, il a perdu son GPS, il sait pas où il doit aller. Par ici, qu'elle se passe la fête, mon petit gars. Allez, on s'approche. Il préfère fuir. Espèce de lâche! Tiens, pour la peine, je vais t'exploser. Boum! Ah, ils sont hautes, les zizi gouingouins. Les voilà. Lui, par contre, c'est leur chef. Il a l'air plus fort. Putain, je vais faire des zigzags entre leurs avions là. Allez, votre commandant, je vais l'éliminer. Il va rien comprendre à sa life. Ou plutôt à sa mort. À mon avis, il a plus de vie. Ouais, il a plus de vie. Les autres, ils seraient déjà morts. Putain, mes munitions qui font chier là. Oh, fait chier. Bon, je vais le laisser, je vais faire un petit tour. Je vais m'occuper des autres qui me suivent là. Oh, attention. Voilà. Je pense que ma barre rouge se vide plus vite lorsque je vais plus lentement. Du coup, pour se générer, c'est mieux d'aller à cette vitesse là. Bon, je t'achève, toi. Putain, oh, oh, doucement. Mais putain, ah, vous faites chier. Ah bah, il y a de la vie, j'ai vu à gauche. Je vais la chercher discretos.
Putain. Il est relou, lui. En même temps, c'est le grand commandant, il va pas être aussi simple à affronter que les autres. Et lui, là-bas, il sait où il doit aller ou quoi? Voilà, il ne reste plus que le commandant. Et... il me tire de là, lui. Il est fou. Putain, il veut pas crever, hein. Et là, je te lâche plus, mon petit gars. Oh putain, non, pas ça. C'est la limite de map, ça va être encore le bordel pour le retrouver. Non, c'est bon. J'attaque juste derrière lui, magnifique. Allez, explose, hein. Voilà, magnifique. Wouhou. Ok, j'estime le temps, je regarde pas. Ouh, j'ai pris un peu plus de temps, je pense, là. 4 minutes. Oh, pas loin. 3 minutes 55, hey, hey. Je vais vous faire une ellipse, je sauvegarde, et puis on se retrouve pour la suite. Alors on a fait 10 missions, du coup je ne sais pas si on va changer de zone ou pas, on verra ça juste après. A tout de suite. Ok, re tout le monde. Voilà, je suis fou. et donc on reprend et finalement la zone n'a pas changé. Du coup ça voudrait peut-être dire qu'il y a un total de 40 missions, je pense que c'est le cas. 20 missions, parce que dans mes souvenirs il y avait deux zones, il y avait l'Europe et l'Afrique, d'après mes lointains souvenirs. Et finalement, il n'y avait pas 10 missions, et certainement, ou alors 15, dans chaque zone, je ne sais plus. Bon, en tout cas, le Zone Ring n'est pas prêt d'être terminé. Donc ça va être un véritable gros Zone Ring. Donc restez jusqu'au bout, j'espère. Putain, j'ai chaud, les amis, c'est un truc de dingue. C'est super chaud ce week-end, là, je suis en transe. Donc ça, moi, je tourne un Zone Ring un samedi. Je sais bien qu'il sera pas du tout publié un samedi, mais... je ne peux pas publier en direct mes vidéos. Allez, c'est parti. Ma mission, on lance toujours en Europe. Nous devons éliminer plusieurs postes de commande aujourd'hui, ou bien nous risquons d'être en perte de vitesse. Malheureusement, l'ennemi a repéré notre faiblesse et a décidé de détourner notre attention en nous envoyant un escadron de bombardiers. J'ai massé le toit de notre QG tel qu'il est, merci. Donc, nous devons nous assurer que seuls les centres de commande de l'ennemi verront leur toit arraché. Élimine tous les bombardiers ennemis qui viennent dans notre direction, et puis pars détruire les trois centres de commande ennemis. Ok, donc en gros, il y a des bombardiers, il faut que j'aille les péter avant qu'ils détruisent notre base. Ok. Alors, où sont-ils? Ils sont là-bas. Allons les détruire, ces petits bombardiers. Oulala, ils sont gros. Ah, ils peuvent me tirer dessus. Ça, c'est pas cool, les gars. Et si je me place derrière eux, même comme ça, ils peuvent me tirer dessus. Ok. Là, je suis bien mis. Même si c'est une canarde. Ok, et de 1... De 2, je vais vite chercher la vie qui est apparue là. Parfait. Je remonte. Oh putain, est-ce que j'avais rentré dedans? J'ai envie de le tuer d'une manière stylée, regardez. Boum. Et tiens. Merde, ah, c'était largué devant lui. Attention de ne pas rentrer en collision non plus. Et bombardement sur lui. Enfin, ça marche pas le bombardement. Il fume au moins, attendez. Ah non, il fait même pas, donc en fait bombarder un avion ne sert à rien. Voilà, il est quand même mort. Donc localiser et détruire les trois centres de contrôle ennemi et leur défense. Ah, les trois centres de commandement, attendez. Ah oui, il y en a beaucoup. Ok, bon, on y va. Il y a un gros bordel là-bas, on y va. Donc c'est là-bas que tout a l'air de se passer. Donc ça fait partie du centre de commandement, le gros bâtiment qu'elle a. Donc c'est un des trois. Ok, ben je vois, il y en a un deuxième à gauche. On dirait des usines comme ça.
Alors attention à eux, parce que c'est eux qui m'avaient mis cher la dernière fois. Voilà, c'est ça. Eux, c'est les plus dangereux, je trouve. Ça, je dois le détruire aussi ou pas? Je ne sais pas. Petit bunker au passage. Ah, j'ai plus de roquettes là. Ça serait bien que j'en récupère grâce au petit bunker que je viens de détruire. Il m'a rien donné, enfoiré. Ok, donc je dois détruire ce bâtiment là. Il en fait partie des trucs que je dois détruire. Ah, on va faire des roquettes. Petit bunker. Là, il ne m'a rien donné. Attendez, il reste quoi à détruire? J'ai détruit ou pas finalement le petit véhicule là-bas? Oui, je l'ai détruit, parfait. Bah, en fait, il reste plus que les deux gros bâtiments qu'il y a là. On va refaire un deuxième passage et puis on les achève. Cri de guerre. Bon, je vais arrêter parce que à chaque fois que je fais un renvoi, maintenant je dis cri de guerre, ça va vous saouler. Ah, ils ont de la vie ces bâtiments de merde hein. Ok, celui-là je l'ai eu. Il reste plus que celui-ci, attention. Voilà. On va refaire un passage. Donc il y a probablement 40 missions. Ça va prendre du temps. Voilà. On les a détruits, maintenant je vais éliminer les avions, c'est ça? Ah non 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 non, c'est vrai! Il y a 3 centres à éliminer, donc en fait ça n'en fait qu'un seul! Il faut faire ça 3 fois. Ah oui, d'accord, donc c'est une longue mission. Ah oui, d'accord. Ah, ça devient du lourd. Attention. On voit leur roquette qu'il faut esquiver de justesse. Merde, j'ai plus de roquette de torpille, moi. Ça va être compliqué. Putain. Il y en a un deuxième. Ok, celui-là, je l'ai eu. On va vite s'occuper du deuxième, vu que c'est les plus dangereux. Oh fuck, il y a un bunker aussi. Voilà. Ok. Allez, là, vous voyez, le jeu se complique un petit peu. C'est pas encore trop dur, mais... faudra se méfier, parce que si là, on est à mission 11 et qu'il y en a 40, c'est qu'à la fin, ça va vraiment être chaud, vous voyez. Bâtiment-ci en dessous que je devrais détruire, ok. Enfin, essayer de s'occuper du bunker. Voilà. Ah, je meurs de chaud. Et le Zendering est loin d'être fini, donc il va falloir que j'attende encore longtemps avant de pouvoir m'hydrater. Maintenant, faut détruire ce bâtiment. J'ai plus de roquettes, enfin de torpilles, vous avez compris. À larguer, du coup, bah. Alors, on va le faire manuellement, ça va être long. Ah, ça a été assez vite. Allez, écoute, j'en récupère. Ah, j'ai pas tout détruit, il reste un truc rouge là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais détruire? Ah, le petit bâtiment qui est à côté là, peut-être. Ou l'antenne, peut-être. L'antenne ou le petit bâtiment? Ou les deux? Je sais pas. C'était l'antenne. Ah bah non, les deux en fait. Il y a l'antenne et ce truc-ci. Voilà. Là tout est détruit normalement. Voilà, parfait. Ok, il en reste un troisième, on y va. Attention qu'on a déjà perdu pas mal de vie, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de petites merdes là qui me tirent leur roquette dans la gueule. Dans la rivière.
C'est stylé, Gumball. J'ai remarqué qu'en fait, mon avion, il passe en transparence et quand je regarde vers le bas, pour me permettre, voilà, pour me permettre de voir ce qu'il y a au sol. Ça, c'est bien fait, pour pas que ça nous gêne. Bon, il y a beaucoup de trucs ici, on dirait. Alors, comment procéder? À droite, il y a un petit bunker. À gauche, il y a un petit véhicule de mer qui fait chier. Attention. C'est pas un véhicule de mer, c'est un canon, là, regardez. C'est pas pareil. Ah, mais ça va, lui, peut tirer que dans une direction. Ça m'arrange. Oula! Par contre, ça, c'est déjà beaucoup plus violent comme véhicule. Wow, on se calme, les gars. On se calme, on se calme, on se calme. Eh, hey, petit bunker, donne-moi de la vie, s'il te plaît, ou des torpilles. Peu importe, dans les deux cas, je vais en avoir besoin. Et il m'a rien donné. Enculé! Attendez, ça va être chaud, là! Parce qu'il y a lui là-bas. Ça, c'est bien. Alors, bah, il y avait un petit canon, mais heureusement, il ne peut tirer que dans un sens. Là. Oh, ça va, il avait presque pas de vie. Ok, ben je pense que... Il y a encore un truc qui tire, il est où? Ah là, il y a un autre canon, ok. Merde, je vais passer devant lui, quel con. C'est bon. Je me suis mal mis pour tirer dessus en plus. Il est où? Il est là. Ah, il n'y en a aucun qui me donne des ressources. Hein. Bon là, je pense que j'ai éliminé tous les ennemis. Maintenant, il faut que je détruise les bâtiments. Ça va être long. Parce que j'ai aucune torpille. Oh! Le jeu en a rien de temps, lui. Je vais faire attention à ce petit dirigeable qui vient de lancer, parce que si je m'en prends un, je peux le cracher. Putain, attendez, je suis mal mis. Je vais m'éloigner plus pour avoir le temps de bien leur tirer dessus. Dites-moi que ça passe là. Parfait. L'antenne. Parfait. Des petites roquettes. Hop. Et on va éliminer les derniers. Hop. Bye bye. Nickel, il a dit bye bye, donc c'est bon signe. Avec de la vie, nickel. Il reste plus que ça ici. Et avec la fumée dans la figure, je vois plus rien les amis. Ah, ça va mieux maintenant. Pas dit bye bye. T'as pas dit bye bye. Maintenant tu vas le dire. Dis bye bye. Et il y a that's good night. Attendez parce qu'il reste encore un point rouge et pourtant ils disent que ça accomplit. Bah il en reste un deuxième là. Pourquoi est-ce que c'est validé? Faut que j'ai. Attends, on va détruire le dernier restant, nous on fait tout à 100%, voyons. Il n'y a que deux avions qui m'attaquent. Voilà, bye bye, c'est ce que je voulais entendre. Bon, ils sont où? Why? Oh! Oh! Vous avez vu ce qui s'est passé? Je lui ai rentré dedans. Lui, il est mort, mais pas moi. J'ai quand même perdu pas mal de vie. Donc, ok, quand je rentre dans un avion ennemi, je meurs pas instantanément comme dans Medal of Honor, ok? Je perds juste de la vie et lui il meurt. Bah écoutez, c'est pratique. Oh non, il fait son demi-tour de merde là. Je vais essayer de l'anticiper. Oh attention. Voilà. Très belle anticipation. Mission accomplie. Oh yeah. Ah putain, elle était longue celle-ci. C'est une mission beaucoup plus complète. Là, si je dois estimer le temps, ça va être plus dur. Attendez, je vais essayer d'estimer. Je regarde pas l'écran, je vous promets. Je dirais que ça a duré 7 minutes 30. Ah oui, d'accord, quand même. 11 minutes 25, ah oui. Ah oui. Je m'attendais pas à ce que ce soit si long. Bon, on continue, on va vers la prochaine mission. Ah, et là, c'était vraiment une mission très longue comparée aux autres. Si toutes les missions durent ce temps-là jusqu'à la fin du jeu,
The Enduring va durer des années. Du coup, ne perdons pas de temps et allons directement à la prochaine mission. Parce qu'il me manque un petit peu de vie. Du coup, si je pouvais me faire un petit bunker sur le chemin... Attendez, là à gauche, il y en a un, je crois. J'espère que ça va me donner de la vie. Et même des torpilles, parce que j'ai plus rien du tout. Enfin, il faut un peu que je me ravitaille, là. Il m'a rien donné, le radin. Lui, là-bas, alors. Putain, il me donne plus rien, les enfoirés. Toi, là-bas. Putain, j'ai même plus de balles. Oh fuck! Putain, c'est la merde là. Mais ils donnent rien! Putain, ils sont chiants! Ok, j'ai eu 3 roquettes. Un peu de vie et on sera bon. Putain, qu'ils sont chiants, ils n'aiment rien. Et il y a des éléments qui me poursuivent comme ils sont là, regardez. Lui, oh putain. Putain, je fume de nouveau. Faut que j'aille me trouver à... des soins absolument. Sinon je suis dans la grosse merde. Là-bas il y a un petit bunker. Merde, j'ai utilisé trop de boost. Je vais ralentir. J'essaie de le régénérer. Voilà. Attendez, parce que là j'ai mes câbles qui s'emmêlent, attendez. J'ai un emmêlement de câbles, du coup il y a parfois le câble qui cogne mon micro, du coup vous entendez un bruit bien chiant. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude encore une fois. Heureusement c'est que je passe à travers les arbres. Il m'a rien donné l'enflure. Attendez, parce que je pense avoir un souvenir qu'il y a un endroit où je peux retourner, où je peux trouver ma base, et que à ma base il y a deux fils des ressources. Je crois que c'est là-bas. Ah, normalement c'est ici ma base. Et il n'y a que dalle. Je suis dans la grosse merde. La grosse merde. Et mon allié qui me suit. Merci de me donner un petit coup de main parce que là je suis dans la merde. Enfin, on fume tous les deux, donc on est tous les deux dans la merde techniquement. Mais... non, mais sérieusement, il me faut de la vie pour continuer le jeu là. Je n'assumerai pas la prochaine mission dans cet état-là. Putain. Bon, la flemme, allez. On est des fous, on tente la prochaine mission dans cet état. Oh putain, je suis taré. Mais que serait la vie sans risque? Allez, on est fous, on y va. Nos espions ont découvert les emplacements des usines qui fabriquent les nouvelles super armes de nos ennemis. C'est une sorte de super zeppelin. Nous pensons qu'aujourd'hui, ils seront prêts à lancer le premier de ces avions. Ta mission est simple. Fraye-toi un chemin jusqu'aux défenses de l'ennemi et bombarde ces satanées usines. Si ce zeppelin a déjà décollé, détruis-le. Ces zeppelins sont la seule chose qui puisse nous empêcher d'accéder à la victoire sur ce territoire. Que la chance t'accompagne. Ah, la victoire sur ce territoire. Donc c'est peut-être déjà la dernière mission en Europe. Je ne sais plus combien il y en a en vrai, je ne sais plus vous dire. Ah, le super zeppelin, j'ai des souvenirs de cette mission-là, en vrai. Et j'ai des souvenirs qu'elle était super dure. Avec la vie que j'ai, c'est peut-être pas l'idéal. Bon, déjà, il faut des localités détruire l'usine. Alors, il y en a partout. Sauf que, non, là-bas, à mon avis, c'était des petits bunkers. À mon avis, la vraie usine, elle est là-bas. Ah, ici, on voit quand même qu'à quelques endroits des bâtiments que j'aurais détruits. Ici, des bâtiments rouges qu'on a déjà détruits auparavant. On voit des restes.
franchement. Ok, je vois l'usine, elle est là-bas. Mais je pense qu'il y a des fouteurs de merde juste là. Et voilà. Avec la vie que j'ai, ça va être galère. Ok, il tire par là. Bon, heureusement, ces petits canons, ils ont presque pas de vie. Ça, c'est quand même un bon point. Allez, on va larguer. Attendez, je suis mal mis. Petit demi-tour. Parfait. Et... on est plus merde, hein, voilà. Ah, il a fait boum, il a dit bye bye. Donc, j'espère qu'il a fait apparaître des petits soins. Non, rien du tout, putain. Attendez, on a détruit un, mais c'est pas tout apparemment. Il y a encore des trucs à détruire là-bas. On va y aller. C'est qu'une seule usine, ils avaient dit, non? Ah non, les deux usines, il y en a deux, d'accord, autant pour moi. Donc je vais aller là-bas, détruire la deuxième. Et ils ont dit que c'était la seule chose qui nous manquait pour la victoire sur ce territoire, donc ça veut peut-être dire qu'après cette mission-ci, on va en Afrique. Et si c'est le cas, ben, on aurait fait la moitié du jeu, enfin je crois, je ne sais plus, ça fait longtemps. Putain, j'ai tellement chaud. Un petit bunker à gauche. On va déjà tirer d'ici. Si ça se trouve, ça peut passer. Comme dans Medal of Honor où j'avais commencé à tirer à l'avant sur le porte-avions de très loin, ça se trouve, il va exploser à distance comme ça. Voilà, ça a marché. Il y a un petit canon qui vise même pas de mon côté. C'est une munition de merde. De la vie, je la veux. Ouh, fallait attaquer le zeppelin, le super zeppelin. Oh putain, je le vois. Oh, il est immense. Waouh, regardez-le là-bas. Waouh, putain, c'est impressionnant quand même. L'autre petit truc, il m'a pas donné de vie ni rien, non. Bon, écoutez, on va faire avec. Là-bas, c'est des bunkers, bon, on s'en fout un peu. Allez, go. Allons l'attaquer, ce petit salopard. Oh là là, regardez-le. Regardez-moi ce monstre. Allez, go! On va le canarder le plus possible. Ah, le problème, c'est qu'il peut me tirer dessus avec son zeppelin. Mais il peut me tirer que par en dessous, pas par au-dessus, je pense. Du coup, l'idéal, c'est que je reste tout le temps au-dessus du zeppelin. Je vais juste prendre un petit peu d'élan. Revenir et le canarder sur toute sa longueur. Oh my god! Oh, epicness! Ok, il y a 4 avions à aller éliminer avant de finir la mission. Oh putain, c'était épique comme explosion! Et de 1. J'ai plus de balles. Allez, tue-le. Pas chier, tue-le. Je sais que t'as plus de balles, mais tue-le quand même. Voilà. Pfiou. De 1. Enfin, de 3 plutôt. Là. Parmi les deux derniers, je voulais dire, ça fait de 1.
Et voilà, mission accompli. Wouhou. Et voilà, une belle mission. J'ai pris pour la faire, j'estime, 6 minutes 42. Merde, de trop. Ok, bon, écoute, on va faire une nouvelle ellipse, les amis. Ah, mais je remarque un truc, c'est que mes stats de mon avion, elles augmentent au fur et à mesure que j'avance dans le jeu. C'est marrant, ça. Ok, ok. Bon, on va faire une ellipse, les amis. On se retrouve juste après, je ne sais pas si on change de zone déjà, on verra. A tout de suite. Ok, re les amis, regardez-moi ça. On est de nouveau, enfin on est de nouveau n'importe quoi. On va en Afrique, donc en fait c'était bel et bien la dernière mission en Europe. Ce qui veut dire qu'on a fait logiquement la moitié du jeu, déjà. En 1h30 de vidéo environ, peut-être un peu plus. Ok, donc on est en Afrique, donc ça voudrait dire qu'il y a 12 missions par zone. Et dans mes souvenirs, il n'y avait que deux zones. Donc, en espérant que l'Afrique soit... Enfin, espérant. En supposant que l'Afrique... Ah oh, oui, d'accord, c'est déjà le sol. Ah oui, c'est... Avec le désert, c'est plus chaud de voir le sol. Faire gaffe, c'est traître. Ok, donc, logiquement, on a fait la moitié du jeu. Déjà. Donc, tant mieux. C'est qu'on avance bien. Mais dans mes souvenirs, les missions en Afrique étaient quand même assez hardcore. On va se faire un petit bunker, vite fait. Alors, leurs textures ont changé, mais ça ne change rien du tout, hein. Moi, je ne pense pas. Voilà. Dans la vie, j'étais full vie, mais bon. Alors, regardez, il y a les zones changent un tout petit peu. Dans les décors, c'est pas mal, ça. Il y a des endroits, voilà, où on est un peu dans des espèces de, voilà, de chemins, comme ça. Donc, c'est assez stylé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus un terrain trop plat. Donc, ça fait plaisir. Et bon, on va se rendre à notre mission. Et on va voir ce que ça nous réserve, simplement. Ok. Alors c'est parti. Donc ça voudrait dire qu'il y a 24 missions dans le jeu. Bah écoutez, c'est bon à savoir. C'est parti. Nous savons tout l'excellent travail que tu as réalisé lors de ton retour en Europe. Nous sommes donc heureux de t'avoir à bord. Et puis, en toute honnêteté, nous acceptons toute aide qui peut nous être donnée en ce moment. Les forces alliées en Afrique ne vont pas si bien que ça, et comble de malheur, notre route actuelle de ravitaillement a été coupée. Par chance, nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin dans les entrepôts ennemis de la région. Nous te demandons de prendre là-bas un commando de l'armée et de l'attendre pour obtenir ce que nous voulons. Quand il sera remonté à bord, ramène-le à toute vitesse à la base. Fais attention, ces réserves pèsent une tonne et affecteront probablement les performances de ton avion. Maintenant, ah, au travail. Attendez, parce que j'ai pas tout suivi là. Je localisais le centre de ravitaillement, atterrissais, attendez que le commando, putain, s'empare du stock et disparaissait. Repoussez les avions ennemis et retour à la base. Donc en gros, je dois aller quelque part, donc je vais devoir prendre du stock, et je vais devoir me battre et tout, mais alors je serai chargé, donc mon avion sera certainement moins performant. Aïe. Ok, ok. Bon. On est prêt, et c'est parti. Alors, c'est sur le point bleu qu'il faut que j'aille. Qu'on y va. Avec un nouveau décor, le décor du désert. Je ne pense pas qu'on viendra en Europe après, donc dans mes souvenirs, c'est vraiment... la deuxième et dernière zone du jeu, dans laquelle il y a également 12 missions, je crois. Alors voilà ma base, il y a des soins et des torpilles. Bon écoutez, les soins j'en ai pas vraiment besoin, mais les torpilles c'est quand même cool. Attendez, parce qu'il y a un point bleu, mais je sais même pas où je dois aller. C'est pas ici qu'il faut que j'atterrisse ? Je ne comprends plus rien. C'est bien ici que je dois aller quand même. Attendez, j'ai rien compris à la mission ou bien... Mais c'est bien ici qu'il faut que j'aille quand même, c'est pas là-bas. Ou alors ici c'est le retour à la base peut-être. Ça, c'est peut-être ma base, et c'est peut-être l'endroit où je devrais revenir à la fin de la mission. D'accord. Bon bah, écoutez, apparemment, c'est pas ici qu'il faut que j'aille. Donc on va aller là-bas.
Écoutez, je suis con, c'est pas ma faute. Des gens plus cons que d'autres dans la vie, hein. Moi j'en fais partie. Oh putain, j'avais pas vu que la bosse a monté si haut, j'ai frôlé le sol sans faire exprès là. Faire gaffe, c'est traître le désert. Bon, c'est quoi ça, c'est un bunker, c'est un avion, c'est... Qu'est-ce que c'est? Non, c'est un bunker. Bye. Je sais même pas où je dois aller. Ça me saoule. Où est-ce que je dois aller? Oula, ça rame ici. Oh, c'est joli en dessous, regardez. Il y a un espèce de canyon avec une rivière qui passe dans le fond. Je trouve ça stylé. J'ai envie d'aller y faire un petit tour. Oui. Ah, c'est stylé ça comme endroit en vrai. Ça change. Bref, c'est pas ici qu'il faut que j'aille. Serait-ce ceci? Apparemment, je dois détruire ça. Enfin, je crois que c'est détruire. Maintenant, j'ai peur maintenant. Je devais pas atterrir ou un truc du genre. Ah, mais si, voilà! Donc, je dois pas le détruire. Putain, mais je comprends plus rien, moi. Voilà. Et donc, je devais pas le détruire. Putain, mais c'est traître parce qu'ils apparaissent comme une cible rouge sur la carte. Du coup, moi, je pense que c'est des ennemis et je vais les attaquer quand même. Donc, là, maintenant, mon vol va être affecté, apparemment. Je sens pas vraiment de différence, à vrai dire. Et là, je dois battre les ennemis. Attendez, j'ai peur de faire de bêtises. Non. Repousser les intercepteurs ennemis et retour à la base. Ok. Donc, ma base, c'est le point bleu. Et les avions ennemis, j'en ai vu qu'un seul en vrai. Donc, on va voir si je tourne la caméra. Non, il y en a deux. Ok, il y en a deux. Et ils sont là-bas. Ouais, mon avion est peut-être un poil plus lent. Non, je sais même pas, je sais pas. Je sais pas en quoi il a dit que ça changeait la performance de mon avion. Attention. Il faut lui rentrer dedans encore. Hey, arrête de jouer avec mes pieds. Ah, ça en fait un, le deuxième il est où? Le deuxième il est là-bas. Non, là-bas. On va se faire avoir. Putain, mais ils veulent vraiment me rentrer dedans. Ils foncent droit sur ma gueule à chaque fois. Ça, je m'en fous. Rentrez-moi dedans, moi je mourrai pas et vous oui, donc c'est ridicule. Oh, j'avais de la vie en dessous. Ah, on retourne à la base et on a gagné. Alors, j'espère quand même qu'il vous plaît malgré que c'est un petit jeu. Simple et basique, on va dire. Ça change un peu, je varie le gameplay, j'aime bien varier les jeux sur ma chaîne et tout, voilà. Et moi je suis pas quelqu'un qui joue à des jeux récents, vous l'avez déjà bien remarqué. Et voilà, mission accomplie. Oh yeah. Ah, ça vous l'avez déjà bien remarqué, je suis pas quelqu'un qui joue à des jeux récents. Alors j'estime le temps, ça a quand même pris du temps, je dirais bien 5 minutes 30. Oh! Oh oh oh! 5 minutes 30 tout pile! Magnifique Benoît. Meilleur estimateur ever, appelé Benoît. Alors, on va faire un petit passage stylé sous le pont. Putain, mais cette zone-ci elle lag. Je sais pas si ça se ressent dans la vidéo, mais moi ça lag un peu. Mais c'est joli. Ça lag, un truc de ouf! Bon, prochaine mission, on y va, on perd pas de temps. Ouais, c'est vrai que je suis quelqu'un. Ça, vous l'avez déjà bien remarqué, qui joue à des jeux vraiment anciens. Je suis pas quelqu'un qui joue à des jeux très récents. Le jeu le plus récent auquel j'ai joué en vidéo,
C'est Trial Fusion 2014, c'est le plus récent. Voilà, et en vrai, en dehors des vidéos, je pense pas que j'ai déjà joué à des jeux plus récents que Trial Fusion. Alors, l'explication, je vais la donner. Ce n'est pas que je n'aime pas les jeux récents, c'est tout simplement que je les réserve pour plus tard. C'est juste ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a plein de projets de prévus depuis des années, et j'ai envie de tous les faire, et pour ça, j'aimerais bien les faire dans l'ordre, voyez-vous, de leur parition. J'ai pas envie de faire des jeux récents et puis des jeux anciens, ce serait ridicule. Je préfère faire d'abord les jeux anciens et réserver des jeux récents pour plus tard. Donc tout simplement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeux anciens sur ma chaîne. Mais dans quelques années, logiquement, les jeux devraient être plus récents. Tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que cela. Allez, prochaine mission, on perd pas de temps, on y va. Malgré ta dernière réussite, nous sommes terriblement à court de provisions. Pour compenser, nous devons attaquer les lignes de ravitaillement ennemies. Nous voulons que tu entres dans l'espace aérien ennemi et que tu détruises le pont à l'est. Si nous réussissons à détruire cette trajectoire cruciale, l'ennemi devra revoir ses plans de ravitaillement. Ils devront les débarquer par avion ou en traversant le pont ouest. Dans tous ces cas, nous pourrons les intercepter ou leur tendre une embuscade plus facilement. Ok, donc d'abord détruire un pont qui se trouve donc... c'est plus facile parce qu'il y aura encore un autre pont ouest, mais ils ont dit que c'est pas trop un problème, c'est qu'ils pourront les arrêter facilement. Mais bon, donc détruire le pont est... Détruire le convoi ennemi et ses escortes, et puis repousser les avions comme d'hab. Ok, c'est parti, le pont, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve certainement quelque part là-bas, par-dessus le canyon qui se trouve là. Ah, les musiques sont pas mal, mais je trouve qu'elles sont trop répétitives. Il y a tout le temps les mêmes musiques, ça c'est un peu dommage. Ah, je vois le pont, il est là à droite, facile. Hop, on tire. Oh putain, il était faible le pont. Il a été détruit en quelques secondes. Je vais m'occuper du convoi juste après. Je m'occupe juste du petit bunker qu'il y a là. Putain, dégage. What? Ah, j'ai cru qu'il était pas mort et il a continué à me tirer dessus en explosant. Ah, de la vie, ce qui sert à rien. Alors l'escorte est certainement par là apparemment. Et ça lag un peu ici, hein. Je pense que même dans la vidéo vous le ressentez. Là ça va mieux. Wow, attendez, il y a un bordel ici quand même. On va en tirer dans le tas. C'est ça qui est plus dangereux ici. Hop. Je peux quand même rouler à ras du sol. Limite, c'est mes roues qui touchent le sol. Je roule par terre et je continue à tirer. Ah, il était détruit le gros char là. Mais tant mieux. Il dit that's good night à chaque fois. Mon perso. Donc il dit soit bye bye ou soit bonne nuit en gros. Hop là. Rien de très difficile pour le moment. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus dur quand même comme jeu. Pour le moment, on a échoué qu'une seule fois. Et c'est même pas en mourant. C'est parce que j'avais détruit un truc qu'il fallait pas. Alors, on détruit les deux avions et on a déjà gagné. Oh, ils sont juste là. Peut-être tu vas te faire massacrer en deux secondes. T'avais qu'à pas te trouver là. Voilà. Et le deuxième. Oh, il est mal mis aussi. Oh, mais pauvre. Ah, vous avez vraiment pas eu de bol là, vous êtes tombé contre beaucoup plus fort que vous, c'est-à-dire... Benouille. Voilà, magnifique. Bon, ça va, on a été vite là. Allez, je parie sur 3 minutes... 21. Oh putain non, j'ai été beaucoup trop, 2 minutes 33 seulement, ouais, d'accord. Bon, on continue. Prochaine mission, c'est parti. On y va. Je viens de faire la mission 14, et en toute logique, ça voudrait dire qu'il y a 24 missions au total. Bah écoutez... Le Zenduring sera peut-être pas si long que ça, finalement. Je parierais bien sur un Zenduring qui durerait 3h30, 4h maximum. Franchement, ça m'étonnerait qu'il dure plus que 4h. Et let's go, on passe à la suite. Se rendre à son prochain...
être au bon endroit au bon moment. Ok. Nous pensons qu'ils volent avec un escadron entier, mais si tu peux d'une façon ou d'une autre leur tendre une embuscade, tu causeras probablement beaucoup de dégâts avant que les pauvres ne soient en mesure de riposter. Vire cette tasse du ciel et rentre à la base. Ok. Attendez, parce que je vous avoue, là avec mon système, j'ai deux casques sur la tête, j'en ai un sur les oreilles, un autour du cou, et il fait super chaud, ça me donne chaud. C'est horrible. C'est un système compliqué, voilà, si on veut faire des bonnes vidéos, c'est ce qu'il faut que je fasse. Mais écoutez, c'est parti. J'espère juste que vous m'entendez bien avec le micro, qu'il n'est pas trop bas. J'ai l'impression qu'il se baisse de plus en plus. Attendez, je vais juste restabiliser mon micro. Attendez juste un petit instant, vous allez entendre du bruit. Yop. Voilà. Je vérifie qu'il marche toujours, blablabla, bla, bla. Oui, mais c'est bien. Voilà, ça vous m'entendrez peut-être un poil mieux pendant que je joue. C'est parti. Donc, localiser et éliminer le pilote d'élite ennemi et son escadron. Le pilote d'élite, ah oui, carrément, ça rigole pas. Ah oui, d'accord, ils sont nombreux. Ils sont déjà dessus. Oula, c'est lui le pilote d'élite, je pense. Regardez, il a un avion différent. Un grand avion jaune comme ça, et là-bas, il y a tous ces petits avions de Rikiki. Bon, en gros, je dois juste éliminer tout ça et puis j'ai gagné, quoi. Oh, ça va le faire! Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va me rentrer dans le cul. Ah, ça en fait un. Et de deux. Il y a un petit bunker là. J'ai envie de me le faire. Ah, je mets roquette au max maintenant. Ah, t'aurais pas dû te trouver là, toi, mon petit gars. C'est triste, mais c'est comme ça. Tu vas devoir mourir, voilà. Allez, au revoir. Il en reste plus que deux, dont le pilote d'élite, là, je sais plus trop quoi. Il est là-bas à droite, on va se le réserver pour la fin. Le boss final. C'est quand même con les ennemis quand ils pilotent, je trouve. Regardez-les là. Ils avancent tout seuls. Qu'est-ce que je dois faire? Et voilà, il meurt là. Il facilite vraiment la tâche. Et l'autre, il joue avec mes pieds là. Il est passé où? Il m'a fait faire un petit tour. Au moins maintenant, je suis derrière lui. Et maintenant, on va lui rétamer la gueule jusqu'à ce qu'il crève. Ça risque d'être long. Putain, c'est chiant cette recharge. Oh merde, c'est la limite de map. J'espère que je vais me retrouver juste derrière lui. On suit bien sa fumée, c'est nickel. Sa fumée me permet de ne pas le perdre, ça c'est génial. Ah ben voilà, il lui restait presque plus aucune vie. Mission accompli. Oh yeah. Je parie que ça n'a duré que 2 minutes 53. Putain, que 2 minutes 19, mais c'est génial. Allez, on enchaîne. On va directement à la prochaine mission. Ok, j'écoute. Qu'est-ce que je dois faire? Nous avons dû partir en vitesse et nous avons laissé un homme derrière les lignes ennemies. Nous savons qu'il va bien puisqu'il nous envoie un SOS, haut et fort. Son avion s'est écrasé dans le canyon à l'extrême nord-est et des rapports nous arrivent pour nous signaler que les forces ennemies ferment tout accès à ce lieu. Nous te demandons d'y aller et de le trouver. Et vite! Survole rapidement le canyon, localise-le et atterris le plus près possible. Dès qu'il sera en sécurité dans ton avion, dégage le plus vite possible et rentre à la base, puisque à ce moment-là, nous supposons que la zone grouillera d'ennemis. Bonne chance. D'accord, hein, mission intéressante. Donc je vais aller trouver un avion dans le canyon, secourir le pilote, et repousser les avions ennemis comme d'hab, avant de ramener le pilote à la base. Par contre, il y a un truc, je sais pas si c'est moi qui suis con, mais le nom de la mission est un peu buggé ou c'est moi? Regardez, la visite vaut le coup. Et là, il y a un mot que je ne comprends pas. Deal. Avec un Y-I-L. Et même s'il n'y a pas de Y, que c'est deal, mais ça ne veut rien dire.
La visite vaut le coup d'île. Le coup d'œil, non? C'est pas plutôt la visite vaut le coup d'œil qui voulait écrire? Et le OE, je sais pas où est-ce qu'il le voit, parce que moi, je vois un YIL. Bref, pas grave, allons secourir notre pilote. D'après ce que j'ai vu, c'était un avion français sur l'image. Dans le canyon, il y a un point bleu sur la map. Alors le point bleu, est-ce que c'est ma base ou le pilote? Non, je sais plus, j'ai peur. Écoutez, dans le doute, je vais piloter dans le canyon, comme ceci. Ok. Là, je dois en sortir parce que sinon, je vais pas aller dans la bonne direction. Ah non, c'est bon, le point bleu semble être dans le canyon ici. On va rentrer dedans discretos. Bon, attention à la manœuvre là, oh, doucement. Alors, il est où? Ah, il est là, ok. Parfait. Salut l'ami! T'as besoin d'un coup de main? Oh, on redresse! Ok, il est monté avec moi apparemment, donc là je dois repousser les trois avions ennemis pour revenir à la base. Oh, le pont qu'on a détruit, il était là. Magnifique. Heureusement qu'il était détruit parce que sinon je me serais mangé en pleine face parce que je suis remonté pile dessus. Bon, bah allez, hein, c'est parti. Mission simple. Ah, mais ce genre de jeu, ils sont trop faciles pour Benoît. Hein. En plus, il n'y a même pas eu de choix de difficulté au début du jeu. Donc vraiment, c'était un jeu trop facile pour le Benoît. Voilà. Voilà. Objectif accompli. Un petit peu de vie. Attention, putain, j'atterris proche du sol à chaque fois, c'est chaud. Maintenant, on va vers le point bleu, on le ramène à la base et la mission sera de nouveau accomplie. C'était très rapide, très facile. Pas de sous-size pour Benoît, c'était la mission numéro 16, donc on a fait. Il nous restera plus que 8 missions, logiquement. Après, je ferai une petite ellipse, parce que bah, ça a déjà bien duré. Franchement, ouais, c'est vraiment un The Enduring tranquille qu'on a aujourd'hui. Contrairement aux The Enduring que j'ai fait sur Super Meat Boy, qui eux sont vraiment hardcore et bien rageants. Ça change un peu, vous inquiétez pas, Super Meat Boy, je sais que j'ai pas encore fini le jeu, mais je ferai plus tard d'autres The Enduring, évidemment, où je terminerai ce jeu. Et où on pourra encore bien rager, ce qui n'est pas le cas dans The Enduring. Faut un peu varier. Quand j'aurai fini Super aussi, je ferai un autre The Enduring, mais pas sur Super Meat Boy, j'en ferai un tout petit sur un petit jeu d'enfance aussi. Ce sera pas sur PS2, ce sera sur PC, mais c'est un mini-jeu, ça se trouve le The Enduring durera à peine une heure ou deux, enfin on verra bien. J'en parlerai au moment venu, hein. On va pas non plus vous spoil. Putain, mais j'ai une offre-roquette et je peux même pas. J'ai toute ma vie, à quoi ça sert toutes ces ressources là? À rien, voilà. Simplement. Voilà. Mission accomplie. C'était d'une extrême simplicité. Et je parie que ça a duré 3 minutes 24. Non, 3 minutes 5. Ok. Bon, on va sauvegarder. Pendant ça, je vous fais une ellipse. À tout de suite, les amis. J'espère que ça vous plaît. Je sais que c'est assez répétitif comme jeu et tout. Enfin, ça va encore répétitif. Enfin, si, c'est quand même tout le temps la même chose en avion et tout. Ok, mais c'est tranquille, quoi. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît quand même un minimum. Voilà. Allez, à tout de suite. Ok, les amis. On est parti pour la suite du jeu en Afrique. Putain, je suis un grand chanteur. Je chante en rythme avec la musique du jeu. Mission 17, chiffre fort bonheur, ça va être une bonne mission alors. Ah merde. Juste avant sa mort, le gars a réussi à transmettre quelque chose. On suppose que ce sont les documents contenant les informations. Dans une capsule, attachée à un ballon. Il faut absolument que tu trouves ce ballon et que tu récupères la capsule avant qu'elle ne s'envole trop loin. Nous espérons que l'ennemi ne l'a pas encore repéré, mais toi, ils te repéreront sûrement, donc fais gaffe.
Récupère cette capsule et rentre à la base. Ok. Donc je dois reprendre le colis, repousser les avions ennemis et ramener le colis à la base. Franchement, c'est des missions faciles pour le moment qu'on a, je trouve. Let's go. Le colis, il est juste là ? Putain, mais il est juste là ! C'est super simple. Alors attendez, parce que là-bas, j'ai vu un véhicule de merde. Ceux-là, ils sont bien chiants. Il a explosé en 2 secondes. Bon bah allez, je le prends. Voilà, 3 avions à détruire. Puis je vais à la base et puis c'est fini. Mais c'est vraiment simple là, pour le moment le jeu. Hein. Hey, il est passé où le challenge que j'avais à la fin des missions en Europe là? J'espère qu'il va revenir bientôt. Oh, il a explosé juste avant. J'ai pris un risque là, j'avoue. J'ai prié pour qu'il explose avant que je rentre en collision avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Une explosion là-bas, j'ai même pas tiré. Il s'est écrasé. Je pense qu'il y a un avion ennemi qui s'est écrasé tout seul. Qui a fait une erreur de pilotage comme un gros con. Oui, je sais, on s'est frôlé. Voilà, maintenant je vais à la base et... ce sera déjà fini. Mais attendez, je bats un record du monde là ou quoi? La mission, elle va durer 1 minute. Bah écoutez, le jeu a décidé de nous donner une série de missions hyper simples. Mais ouais, logiquement, il y a 24 missions, ça veut dire. Donc il en reste plus des masses, quoi. Après celle-ci, il en restera plus que... 1, 2, 3... Ouais, 6. Il restera plus que 6 missions déjà après celle-ci. Donc logiquement, elle devrait être dure, non? Voilà, mission accomplie, c'était hyper rapide. Estimation du temps, même pas 2 minutes. Je dirais 1 minute 32. 42, ah, pas loin. Ouais, ça a même pas 2 minutes, putain, mais c'est une simplicité en plus. Bref, tant mieux, on progresse vite comme ça, alors on va directement à la prochaine mission. Et donc, après ce The Enduring, les amis, dans quelques jours, donc, viendra le début de Medal of Honor, les Faucons de Guerre. Et là, ce sera un gros jeu, un vrai bon jeu, là, parce que celui-ci, bon, c'est pas un mauvais jeu, mais il est quand même pas extraordinaire, voilà. Et Medal of Honor, les Faucons de Guerre, j'en ai des très bons souvenirs, en plus. C'est également un jeu de mon enfance, hein. Mais ça fait très longtemps que j'ai pu jouer, donc ce sera pas une découverte du jeu, ce sera plutôt une redécouverte, parce que franchement, je me souviens plus grand-chose. Et juste le début du jeu, que je me rappelle quand même assez bien, les premières missions, je me rappelais bien, mais... Enfin, je me rappelle bien. Mais la fin, je m'en rappelle presque plus. Et en plus, c'est un jeu que je n'ai jamais réussi à finir dans le temps parce qu'il était vraiment dur. Et en plus de ça, à l'époque, je jouais en moyen et moi, je jouais en difficile. Et ouais, le gros challenger, Benoît, il est taré, voilà. Bref, on verra comment ça se passera dans quelques jours. Les services de renseignement de l'armée nous ont informé qu'un commandant de tank de première classe était en train de passer discrètement dans nos bois. Si nous pouvions leur envoyer quelques petits cadeaux, ça donnerait sans aucun doute un coup de main aux gars de l'armée. Ils nous auraient sans doute rendu le même service. Que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin bref, nous ne savons pas exactement où il se trouve en ce moment même, mais nous savons par contre qu'il patrouille dans son tank rouge, donc il ne devrait pas être trop dur à localiser du ciel. Tout ce que tu as à faire, c'est le repérer et lancer quelques bombes en plein sur lui. Ça devrait faire capoter ses plans dans l'immédiat et nous faire gagner quelques bons points auprès des gars de l'armée. Ok. C'est parti, donc il faut détruire et localiser donc le réservoir rouge ainsi que sa réserve, donc c'est une petite zone de destruction, peut-être qu'il sera protégé, je ne sais pas. Et puis il faut repousser les avions ennemis tout simplement. C'est parti. Alors c'est là-bas que tout semble regrouper, donc c'est certainement là-bas qu'il faut que j'aille. C'est parti. Ils sont en train de se déplacer là, je vois. Des véhicules? J'ai pas compris la mission ou bien. Le réservoir rouge. C'est un réservoir qui bouge? Ah oui, oui, ça c'est un réservoir, comme ça. Voilà, il est détruit. Maintenant, je vais m'occuper d'eux. Hop. Et de 1. Et de 2. C'était d'une rapidité et d'une simplicité extrême, encore une fois. Le petit bunker, je m'en fous à la limite. Pas obligé de tout détruire à chaque fois. Hein. C'est pas l'objectif.
Il y a que deux avions et puis c'est fini, sérieux? Bon, bah écoutez. Si le jeu décide d'être simple, c'est pas ma faute, hein. Allez, je prends le risque. Frontal, t'exploses avant. Putain, il a réussi à esquiver et à se barrer. Bye bye. Bye bye. Et le deuxième, il est où? Il me tourne autour. Putain, il me tourne littéralement autour, il est juste là. Voilà. Bon, bien, t'es dans la merde, mon petit gars. Et voilà, c'était une mission extrêmement rapide encore une fois. Attendez, mais même pas 2 minutes non plus, elle est 1 minute 37. 26, encore moins que l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as mes stats niveau bouclier, donc la résistance, je suis au max maintenant. Nickel. Bon, la prochaine mission, voilà. on y va. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et le jeu, là, on arrive à la fin du jeu déjà et il... Enfin, je pense, ça se trouve peut-être que je suis même pas du tout à la moitié, je sais pas. Mais il est temps de te ressaisir. Alors. Maintenant, nous faisons vraiment une forte impression et l'ennemi semble d'accord avec nous. En ce moment même, un escadron de bombardiers est en route pour nous rendre une petite visite. Décolle et intercepte-les. Élimine l'escorte de chasseurs et assure-toi qu'aucun de ces bombardiers ne s'approche trop près du quartier général et commence à redécorer notre arrière-cour. Ok. D'abord, détruire l'escorte et puis les bombardiers. C'est parti. Donc ils sont tous là, il y en a 4. Ok. Attention. Je vais quand même éviter les frontales. Ok, qu'ils meurent instant et que moi je perds un petit peu de vie, mais quand même. C'est plus propre de les tuer comme ça et puis même je perdrais moins de vie, simplement. Voilà. Oula, attendez, il y a un petit véhicule de merde là. Oh, de la vie. Magnifique. Oh. Il y en a un autre là. Ils ont pas de vie ces merdes. Oh. Il y a un avion qui a essayé de me rouler dessus. Voilà. Ça devient tellement simple. C'est où? Là. Voilà, il n'en reste plus qu'un. C'est facile. Oh merde! Oh, mais... What? J'ai même pas perdu de vie! Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je vais rentrer dedans. Ou alors peut-être que j'ai tiré et qu'il a explosé vraiment un millième de seconde avant que je rentre dedans. Je pense que c'est ce qui s'est passé parce que j'ai pas perdu de vie. Bon bah écoutez, les bombardiers les voici, comme tout à l'heure. Attendez, parce que je suis trop rapide par rapport à eux. Là, je suis à la vitesse minimum et... Boum! Et je vais quand même plus vite qu'eux. Du coup, bah, on va faire comme ça. Par contre, je suis juste devant lui, du coup, il me met cher. Attendez, c'est peut-être pas une bonne idée, ce que je fais là. Pas grave, je l'achève quand même. J'assume mon choix jusqu'au bout, voilà. J'ai perdu un peu de vie, quand même, là. Attention. Deux. Il faut faire gaffe, il faut que je sois plus loin. Je vais faire un petit tour. Hop. Pour me remettre derrière lui, comme ça, voilà. Et là, je peux lui tirer dessus à mon aise. Et voilà, mission déjà accomplie. C'est d'une simplicité monstrueuse là. Non mais sérieusement. Allez, combien de temps? 2 minutes 10. 32, allez, c'est bon, c'est un peu mieux. Oh la vache! Mais... Je sais plus s'il y a 24 niveaux ou s'il y en a plus, mais... Je sais plus. En tout cas, là, on a presque fini le jeu. Enfin, je crois. Bah, j'en sais rien, en fait. Ça se trouve, il y a une troisième zone, je sais plus. Je vous dis, ça fait tellement longtemps que j'ai pu jouer, mais je pense qu'il n'y avait que deux zones. Bref, bah, on va vers la prochaine mission, hein, écoutez. On enchaîne tout. C'est pour ça que j'essaye de bien choisir mes jeux pour les Enduring, c'est-à-dire des jeux qui ne mettent pas trop de temps à se finir, que je peux finir en une seule vidéo. Ça, c'est le cas, vous avez vu, à la vitesse qu'on avance. Je
enfin Bunker qui est là, espérer avoir de la vie vu qu'il m'en manque un peu. Il m'a rien donné l'enflure. Pas grave, on assume, on commence comme ça. Alors. On dirait que notre ennemi est bien plus astucieux qu'on ne le pensait. Leur force semble avoir trouvé une autre ligne de ravitaillement par le nord. Cette trajectoire suit le fond du canyon, ce qui signifie que tu ne pourras pas lancer de bombe. Ou en tout cas, c'est ce qu'ils doivent penser. Il est temps de leur montrer que nous possédons les meilleurs pilotes du monde. Survole le canyon et élimine ce convoi. Ok, donc il y a un... Il y a un convoi dans un canyon, il faut le détruire et puis repousser les avions ennemis. Je trouve que le jeu commence à devenir un peu répétitif, mais bon, c'est pas très grave. Il avance dans quel sens le canyon, n'importe quoi. Oui, c'est le canyon qui avance, c'est même pas le convoi. Le convoi il reste sur place, mais le canyon il avance. Bien sûr. Ok. On va détruire le premier, comme ça il peut plus avancer. Pff, j'ai... J'étais un peu trop bas quand même. Ah pardon, parce que là pour faire un demi-tour là-dedans, c'est pas simple. Attendez, parce que là-bas il y a un truc. Ok, ça c'est des véhicules de merde. Attention! Parfait. Si je suis bien mis, je vais faire un petit demi-tour. Et là je vais tous me les faire d'un coup. Vous allez voir ça. Je vais en louper aucun. Ah, ils ont plus de vie que ce que je pensais, les enflures. Bon, ça n'a pas marché, désolé. Attention, je suis fou, moi. Oh putain, je suis taré, faire un demi-tour dans un canyon, Benoît. Wouhou, quel professionnel. Allez, exploser un jour. Putain, c'est quoi ce qu'on voit blindé, là. Là, maintenant ça suffit. De 1 et de 2, bye 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 et bye bye. Non. Bon, on va sortir d'ici et on va aller achever donc les 3 petits avions qui restent et finir encore une fois une mission. Non, je pensais qu'une fois en Afrique, les missions allaient devenir beaucoup plus difficiles, mais en fait j'ai l'impression qu'elles sont limite plus faciles. C'est un peu bizarre. Là. Regardez ça, ils me tournent tout le temps le dos, ils sont complètement cons. Ils font en sorte que j'arrive derrière eux, limite, c'est complètement con. Ils me facilitent la tâche, et juste lui là qui est un peu plus malin, je crois. Voilà. Là, juste à faire ça, ils sont quand même pas forts. Et voilà, mission déjà accomplie, écoutez, bah... Oh, que c'était dur. Un poil plus long, elle est 3 minutes 27. Ah non, putain, c'était tout court. Bon ben voilà. On enchaîne. On va déjà commencer la 20e mission, si je dis pas de conneries. En 21 déjà. Ces gars de l'armée ont parlé avec leurs supérieurs suite à ton excellent travail et l'élimination de ce commandant de tank. Par conséquent, on nous a prêté un groupe de bombardiers pour une mission et nous espérons bien reprendre le pouvoir. C'est une occasion unique de détruire tous les entrepôts ennemis de la zone en une seule attaque précise. J'ai besoin de toi pour surveiller étroitement cette mission. Escorte les bombardiers jusqu'à leur cible et protège-les de tous les ennemis que tu pourras rencontrer. Fais gaffe, nous pensons qu'un de leurs pilotes hors pair pourrait se trouver dans la région. Ouais, bah c'est ce qui est indiqué, ouais, donc... Je dois protéger des bombardiers, le temps qu'ils aillent faire le travail, et en les protégeant, je dois éliminer donc le pilote d'élite et son escadron. Ok, c'est parti. Ok, donc je vois en vert mes cibles de mes alliés. Ils sont tous les trois là-bas. Là, il y a un véhicule, je vais le faire vite fait. Là. Donc ils sont là-bas, mes bombardiers. Faut que je les protège. Oh putain, il s'est mangé le mur!
C'est même pas moi qui l'ai tué, il s'est mangé à un mur l'ennemi, mais ils sont complètement cons. Est-ce que vous voulez que j'ai du challenge s'il se suicide demain? Ah et voilà le grand boss. Ouais c'est lui. Arrêtez de tirer sur mes alliés. Bande de méchants. Il allait se manger un mur encore si je le tuais pas lui. Bon, faut que lui je l'empêche de les tuer là. Il les fait fumer déjà. Je ne te laisserai point faire. Ben. C'est quoi ce truc ridicule? Sérieusement, ça a duré une minute ou pas? Oui, une minute tout pile! Mais c'est quoi ça? Mais putain, mais sérieusement, les gars, vous avez fait quoi dans votre jeu? Ça s'annonçait bien, ça devenait de plus en plus dur, et là, vous me donnez ça? Un ennemi, le grand tireur d'élite de je sais pas quoi, qui se mange un mur! Non mais sérieusement! Non mais... Oh putain, c'était énorme! C'est quoi ce petit point noir? Bonjour, je suis un point noir. Bon, on arrive déjà à la mission 22, donc s'il y en a 24, il reste déjà plus que 3 missions. Mais c'est bizarre, dans le désert, j'ai le souvenir de missions super dures, et avec des bases hyper fortifiées à détruire avec plein d'ennemis dans tous les sens. C'est mon imagination ou quoi ça? Je sais pas. Peut-être que mon enfance est périmée et que mes souvenirs aussi, du coup. Bon, bah allez, on y vit une mission 22. Je sais pas combien il y en a au total, mais logiquement, il y en a 24, je crois. Nous savons maintenant que l'ennemi possède 3 grandes fabriques d'armes cachées dans le canyon. Elles doivent avoir beaucoup d'importance pour la réussite de l'ennemi dans cette zone et sont protégées en conséquence afin de ne pas mettre en péril ce matériel important. Malheureusement pour toi, j'ai des ordres à respecter pour cette mission. Et il porte ton nom. Cette mission ne sera pas évidente, mais je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Survole le canyon et réduis ses usines en cendres. Ok. Ah, déjà là, ça paraît être une mission déjà plus intéressante. Il y a trois usines à détruire, donc c'est les grosses missions d'attaque sur les bases là. Et elles sont dans le canyon. Donc circuler va être difficile et je pense que les usines seront bien défendues. Donc c'est ce genre de mission là dont j'ai le souvenir et qui était difficile. Voilà, donc j'espère que j'aurai du challenge, parce que ça fait longtemps là. Première base ennemie, enfin usine ennemie, c'est là-bas, on y va. J'espère que j'aurai du challenge. Parce que je ne suis mort qu'une seule fois pour le moment, et encore... Non, je ne suis même pas mort une seule fois. J'ai échoué une fois, mais c'est même pas en mourant. C'est ridicule. Bon, c'est parti. De 1. Que c'est les petits canons de merde, là. De 2. Ok, ils tirent chacun dans un coin, mais... Ils sont ridicules, ces petits canons. Oh putain, attention. Il y en a un autre juste ici. Ah non, ici. Oh putain, ceux-là, ils sont plus dangereux, c'est vrai. Attention. À mon avis, si je trouvais ce jeu difficile à l'époque, c'est parce qu'à mon avis, je ne savais pas bien piloter, et que du coup, je me mangeais absolument tous les murs et que je mourais tout le temps. Je crois, je sais pas, mais... Je suis devenu fort maintenant au jeu vidéo. Bon, il a même pas essayé de se défendre. Non, je vais détruire cette usine. Donc c'est parti. Et voilà. Première usine de détruite. On passe à la deuxième. Bon. Non, franchement, c'est facile.
Franchement, ils ont pas menti au dos du jeu. Enfin, de la boîte du jeu. Ils ont dit enfin un jeu d'arcade facile. En effet, c'est un jeu qui fait assez arcade. Regardez les rien que les caisses de vie comme ça qui flottent au-dessus des ennemis, ça fait arcade. Ça fait pas réaliste. Donc, ok, donc ils considèrent ça plutôt comme un jeu d'arcade plutôt que d'un jeu réaliste comme les Medal of Honor. Et ils ont dit un jeu d'arcade facile. Et je confirme, le jeu est facile. Il est pas nul, c'est pas un jeu de merde. Par exemple, oh, déjà détruit, mais c'est quoi ce délire? Un jeu qui était beaucoup moins bien fait, c'était La Grande Évasion. On l'a fait aussi en The Enduring. Ça a duré longtemps d'ailleurs, 9 heures. C'est un jeu qui était moins bien fait, mais il était drôle. Parce qu'il y avait beaucoup de bugs et plein de trucs complètement cons dedans. Et c'est ce qui rendait le jeu drôle. Ici, le jeu est plus facile quand même que La Grande Évasion, parce qu'on ne peut pas se le cacher, La Grande Évasion n'est quand même pas un jeu simple. Mais le jeu était moins bien fait. Celui-ci est quand même mieux fait, mais je trouve plus répétitif et trop facile pour mon niveau. Voilà, ça qui est dommage. Oh putain! Espèce d'enflure! Mais putain, ils ont pas de vie! Je pense avoir un peu de challenge et ils détruisent en instant. C'est déjà la troisième usine, ça, mais oui. Et ils ont détruit! Attendez, mais la première usine, elle a résisté longtemps? Et les deux autres, elles sont démontées en 2 secondes! Aïe! J'ai cogné un mur et j'ai même pas perdu de vie. What the fuck? J'ai cogné le sol, enfin j'ai cogné l'ennemi et... Oh non, je vais me manger le mur là. En fait, quand tu te manges un mur ou le sol, t'exploses pas direct! Mais c'est trop facile comme jeu alors! Non mais de Medal of Honor, dès que je touchais un truc, j'explosais avec mon avion. Enfin, il n'y avait qu'une seule mission aérienne, vous allez me dire, mais... Bah écoutez, dans mes souvenirs, ce jeu était difficile. Et en fait, il n'est pas du tout. Pas difficile, pas non, c'était pas un jeu difficile, mais il était plus dur que ça dans mes souvenirs. Eh ben écoutez, on considère ça comme un The Enduring. Oh, j'ai explosé juste à temps. J'ai pris des risques et c'est même passé, quoi, mais je suis taré. Ce jeu est vraiment simple. C'est pas un jeu fait pour le jugement. Oh, ben, what the fuck, mais attendez, mais... What? Attendez, mais on s'est rentré dedans, là, j'ai pas rêvé. Et j'ai même pas perdu de vie. Je ne comprends plus rien. Ouais, peut-être qu'il a duré même pas 5 minutes pour détruire 3 bases, c'est quoi ce délire? Bon, écoute, on va faire une ellipse, parce que ça a déjà bien duré. Attendez, mais là, c'est quand même bizarre. Le jeu me paraît quand même incroyablement simple. Là, maintenant que mon armure est à fond, limite, je rentre dans les ennemis, je perds plus de vie. Si ça devient comme ça, le jeu, là, il devient moins bon. Mais bon, voilà. Considérez ça plutôt comme un The Enduring de détente plutôt qu'un The Enduring de challenge. Écoutez, c'est vrai, j'ai perdu qu'une fois, c'est même pas en mourant. Il reste plus que 2 missions logiquement, donc on a déjà presque fini. Il était court alors. J'avais consacré tout mon après-midi à ça, mais finalement je pourrais passer mon après-midi à préparer d'autres projets. Écoutez, c'est cool. Enfin, je sais pas, ça se trouve, c'est pas fini, le jeu va vraiment devenir chaud après, mais ça a pas l'air. Mais écoutez, je vous fais une ellipse et puis on va essayer de terminer le jeu à notre aise. C'était un petit The Enduring qui servait de transition. Vous aimez pas, c'est pas très grave. Le principal, c'est que je l'ai fait, puis c'est mes projets, je les gère comme je le sens, voilà, simplement. Vous savez bien que moi j'adore faire mes projets et que je les fais à ma façon. Ceux qui aiment bien ma façon de faire, ben, je suis très content et j'adore partager ça avec vous. Pour ceux qui n'aiment pas, je suis désolé. Et puis si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de regarder, vous savez bien. Je n'oblige personne. Voilà, tout de suite. Ok, re tout le monde, et ben c'est parti. Je pense qu'on est prêt pour la dernière ligne droite du jeu. Attendez, je suis en train de rouler sur un câble, je viens de réaliser. Et rouler sur un câble avec ma chaise à roulette, ce n'est jamais bon. Donc attendez, je vais essayer de réparer ça. Voilà, j'ai réparé ça. Et le câble, je vais le mettre un peu plus loin. Voilà. Parfait. Ok. Bon. L'installation est toujours bonne. Ouais, ok, mais c'est reparti. On va jusqu'à la prochaine mission. Et logiquement, il n'en reste déjà plus que 2. Donc désolé, je pensais prendre un The Enduring un peu plus intéressant que ça. Finalement, il n'était pas top. Ouais. Faut dire, c'est un jeu de mon enfance, mais vraiment encore plus lointain que les Medal of Honor. Et du coup, dans mes souvenirs, il était mieux que ça. Du coup, voilà. Mes souvenirs étaient corrompus. Donc, c'est parti. Une mission difficile, s'il vous plaît. Nous avons réalisé des progrès impressionnants.
La balle est maintenant dans notre camp. Il s'agit d'une grosse balle et on a plutôt intérêt à la faire rouler jusque sur le quartier général ennemi. Ta prochaine mission est simple. Fais sauter la base ennemie. Détruis leurs tanks, détruis leurs armes, détruis leurs usines et détruis leurs centres de commande. Virons ces mecs de notre territoire. Attendez, parce que c'est marrant, parce que tout à l'heure il m'a dit « Une mission difficile !» Elle était très simple, elle me dit « Ta mission est simple !» Et il me cite un bordel pas possible à détruire. Du coup, j'espère que quand ils disent que le jeu est difficile, il est simple, et que quand ils disent qu'il est simple, il est difficile. Allez, j'espère. On va voir ça. Les centres de contrôle, il y en a combien à détruire? Les centres de contrôle, ennemis et leur défense. Les centres, ils disent même pas combien il y en a. Puis il y a un super zeppelin encore à détruire. On aura droit certainement encore à une explosion épique. Bon, direction là-bas. Direction là-bas, je ne sais pas où c'est, mais je vais là-bas. Voilà. Pardon. Ouais, je m'amuse. Je fais bouger mon avion en rythme avec la musique. Putain, mais c'est loin là-bas. C'est encore dans un canyon, vous croyez? Non, ça a pas l'air. On dirait que c'est au-dessus. Bon, on y arrive. Allez, du challenge, j'espère. Il y a beaucoup de bordel, là. J'espère qu'il y a beaucoup d'ennemis dangereux, là-dedans. Putain, je demande à avoir dur. On en est quand même là, quoi. C'est chaud. Oh mon Dieu, c'est fou comme ça dure. Temps, j'ai déjà dégommé la moitié des ennemis. J'ai pas réussi à prendre les munitions, de toute façon je m'en fous, elles sont au max. Attendez, parce que j'ai l'impression que dans le canyon il y a des trucs aussi. On ira voir après. On va faire un demi-tour. Là, je prends ça vite fait, voilà. Il faudrait faire les bâtiments. On va jeter un petit coup d'œil dans le canyon s'il n'y a pas quelqu'un. Non, il n'y a personne. J'avais cru voir une cible qui était dans le canyon tout à l'heure. Je vais regarder. Y a rien. Écoutez, c'est extrêmement simple, alors encore une fois. Voilà. Oh putain, ils ont dit les. Donc il y en a peut-être d'autres à détruire après. Voilà, et la grosse usine, qui normalement doit être résistante. Va-t-elle exploser en 2 secondes? Et ouais. Ah ouais, donc il y en a plusieurs, donc là ça va être une grosse mission. Oulala, oulala ! Là-bas il y a beaucoup de bordel. Allez, je place tout mon espoir que la difficulté se trouve là-bas. On en est là, à prier la difficulté. Et ouais, je veux que ce soit un peu intéressant. Là. Putain, ça lag ici. Le PS2, elle a du mal. Hein. Bon, là, il y a un bordel pas possible. Si ici, je ne trouve pas de difficulté, eh ben, j'en trouverai jamais. Simplement. Ouais, putain, il y a beaucoup, là. Je vais d'abord détruire l'usine qui est isolée, là-bas. Voilà. Et maintenant. Ok, d'accord. Regardez, je perds même plus de vie. Regardez, il lance des roquettes qui m'explosent à la gueule et je perds même peu de vie. C'est quoi ce jeu? Je ne perds plus aucune vie, j'ai l'impression que je ne peux plus mourir.
Parce que mon bouclier de résistance est au max. C'est ridicule. Regardez, j'ai détruit tout comme je veux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que j'ai pris un avion surcheaté sans m'en rendre compte ou bien... Parce qu'à l'époque, quand j'étais petit, je pense que je prenais tout le temps l'avion français. Là, j'ai changé. Et peut-être que le fait d'avoir pris un autre avion rend le jeu beaucoup plus simple. Bah écoutez, je crois, parce que regardez comment tout va bien. J'explose tout en 2 secondes. Et puis surtout, bah, je me suis pris des roquettes à la gueule et j'ai pas perdu de vie. Donc, expliquez-moi. Non, bah écoutez, ce jeu est d'une simplicité monstrueuse finalement, c'est... Je suis désolé, je pensais avoir plus de challenge que ça. Au moins je l'aurais fait. Il reste un petit canon ici. Voilà. Encore une base. Toujours aussi simple, elle est grande ou pas? Un peu moins que celle-ci. Bon bah écoutez, on va finir le jeu à notre aise et puis voilà, on s'arrêtera pour le Zen du Ring, on l'aura fait, voilà, ça fera un jeu de plus sur Bonneuil Gaming, ça fait toujours plaisir, voilà. Non franchement, c'est pas le meilleur jeu qu'on ait testé sur ma chaîne. Je veux pas être méchant vers le jeu, mais c'est vrai. Faut le reconnaître, hein. J'ai quand même testé des Medal of Honor magnifiques, chacun des Medal of Honor était géniaux. Là bientôt, on va commencer le 7ème Medal of Honor avec Medal of Honor Les Faucons de Guerre qui sera également un jeu génial. Pour moi, ce jeu ne vaut aucun des Medal of Honor, c'est clairement. Même la Grande Évasion, limite, était mieux, peut-être pas... Enfin ouais, limite, ouais, parce que la Grande Évasion, il était difficile, voyez-vous, il était difficile. Fallait réfléchir quand même et tout. Malgré que le jeu était très buggé, il était quand même intéressant à faire en vidéo, surtout qu'il avait duré plus de 9 heures, quoi. Et que là, j'aurais perdu des nombreuses fois. Si, je n'ai pas perdu une seule fois. Si, j'ai perdu une fois, mais c'est pas en mourant. Ouais, regardez, je me prends des explosions dans la gueule et je perds pas de vie. L'usine, en 2 secondes, elle va péter. Non, mais une petite roquette, c'est fini, voilà. Je pense qu'elle a, elle a explosé, hein, je pense. Ouais, voilà. Et je ne perds plus de vie, Allez. Ah si, j'en perds un tout petit peu quand il me touche, mon dieu. Oh là 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 là, je vais mourir. Je perds un pixel de vie, j'avoue qu'une explosion, me touche. Voilà, je dois détruire tous les petits bâtiments. Écoutez, c'est simple, ça devient répétitif, du coup... J'espère quand même que ça va être la fin du jeu, sinon ça va être assez chiant pour vous. Bon, qu'est-ce qui reste là? J'entends encore un truc qui tire, il doit rester un petit canon de merde quelque part. Ouais, ils sont là, tous les deux. Je vais récupérer de la vie. Ouais, je pense que les stats de mon avion ont tellement augmenté au fur et à mesure des missions que maintenant je suis invincible, quoi, limite. Voilà, objectif accompli. Maintenant, le Zeppelin, le gigantesque Zeppelin dans le ciel. On va aller se le faire pour avoir droit à une belle explosion. Bon, ok que la mission ici est plus longue, mais ça ne la rend pas plus dure, hein. Franchement. Je trouve ça vraiment simple, beaucoup trop. On va voir apparaître le gigantesque Zeppelin dans le ciel, dans pas longtemps, logiquement. Où est-il? Ah, le voilà! Allez, on commence déjà à tirer! Je vais arriver dans le sens de la longueur. Comme ça, j'aurai plus le temps de tirer. Et je vais passer par au-dessus de lui pour pas me faire toucher, même si je suis invincible. Ah, ben ainsi, il est déjà détruit!
bon, quelle explosion, waouh, magnifique, c'est super, super beau, waouh. Je rentre dedans, c'est épique, mais le premier Zeppelin, j'ai mis beaucoup plus de temps à le tuer. Donc c'est vraiment les stats de mon avion qui... Non, franchement, ils ont mal géré ce coup-là. Le fait que les stats évoluent, ok, mais qu'elles évoluent à ce point-là, et que le jeu ne se complique pas plus que ça. Bon, là, il y a le boss final, je veux dire, qui est là. Il va me le faire juste après. À la limite, je lui rentre dedans et je vais pas... Ah non, il y en a... Ah, ils sont tous comme ça. Ah, c'est tous des avions comme ça. C'est tous des ok, je pense que ce sont tous des avions, entre guillemets, cheatés. Entre guillemets, parce que maintenant, mon avion est tellement devenu cheaté que ça devient des avions normaux, presque. Attendez, c'est une blague? J'ai entendu deux booms. Ne me dites pas que les deux autres se sont suicidés. Qu'ils se sont mangés un obstacle. Mais putain, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Mais s'il vous plaît, sérieusement, les deux autres avions, ils ont fait boom tous les deux, ils se sont mangés un obstacle et ils sont morts. Bon, là, j'ai vu le temps, 10 minutes 9, j'ai pas essayé de calculer parce que j'étais trop choqué. Précision 60%. Mais c'est... Oh, je suis désolé les amis, mais là franchement, j'ai peut-être pas choisi le meilleur zone during du monde, mais bon, c'est pas grave. On continue, on suit la flèche pour ce qui est logiquement la toute dernière mission du jeu, voilà. Ah, et le zone during, il va être court. J'essaierai d'estimer le temps à la fin, moi je le verrai à la fin des montages, vous le verrez directement. J'essaierai d'estimer le temps, combien de temps il a duré le zone during, mais pas longtemps quoi. Allez, c'est parti, pour logiquement la dernière mission. D'après la façon dont il parle, c'est la dernière mission du jeu. Après, il dit la dernière mission dans le désert. Peut-être qu'il y a une troisième zone que j'ai oubliée. Et dans ce cas-là, il y aurait encore 12 missions supplémentaires. Mais on verra, je ne suis pas sûr. Vous le voyez certainement à la durée du Zone du Ring, combien de temps il reste. Mais je pense que c'est la dernière mission. Donc, je dois rechercher et éliminer donc, les deux pilotes d'élite ennemis. Il n'y en a que deux. Ils vont suicider encore à tous les coups. détruire donc tous les ennemis au sol. Ok. Et puis les Zeppelins, mais bon, j'ai détruit tellement rapidement le dernier Zeppelin que ça ne me fait même plus peur. Bon. Eh bien, c'est parti. Je pense que j'ai trouvé les avions. Ils ont apparu directement devant ma gueule. Donc il y en avait deux des tireurs d'élite. Bon, lui, ça n'en est pas un, et les deux autres, ils sont là. Il y en a un juste là. Non, lui, ça n'en est pas un. Bon, rentre-moi dedans si tu veux. Voilà, je ferme un peu de vie. De toute façon, c'est ridicule ça. Franchement, c'est ridicule. Il me rentre dedans, maintenant je ferme un peu de vie. De toute façon, mon bouclier est à fond. Donc, lui, c'est le premier tireur d'élite. En fait, ils sont séparés. Je pense que je vais d'abord tuer lui. Puis, je vais parler dans une autre zone où il y aura un autre tireur d'élite avec d'autres avions. Simplement. Mais bon, il va bientôt crever là. Il sait même pas se défendre, le con. Au moins, il suicide pas, c'est bien. On va recharger un petit peu. Et on l'achève. Putain! Bon, il va faire un demi-tour dans pas longtemps. Bon, on va le suivre. Olé! Allez, explose, hein! Mon avion est devenu sur-cheaté, tu vas me faire croire que voilà, voilà, c'est bon. En venant, j'allais dans une autre zone, voilà, c'est bien ça. Où il y a donc encore un tireur d'élite avec deux autres petits avions de merde. Puis après, les ennemis au sol. Il y a deux petits points noirs à ma gauche, je ne sais pas pourquoi. Et puis après, les ennemis au sol et tout ça, il y aura les Zeppelins, et puis ben, on aura logiquement fini le jeu. Mais c'est quoi, il y a une explosion là-bas? Ils sont rentrés dedans et ils sont mangé un truc. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont rentrés dedans, je pense. Ils sont complètement retardés. Limite, je vais arriver, il n'y aura déjà plus personne. Oh, j'espère que c'est le tireur d'élite qui est mort.
Oh, j'espère. Lui, c'est pas le tireur d'élite. Et lui, là-bas... Et voilà, je meurs pas de toute façon. Bon, toi... Non, ça, c'est le tireur d'élite, ok. Il est pas mort. À la limite, viens me rentrer dedans, je mourrai pas. C'est ridicule, franchement, ce truc-là. Que je puisse leur rentrer dedans sans perdre de vie, juste parce que mon bouclier a évolué. C'est... Non, ça, c'est vraiment mal fait, je trouve. Voilà, objectif accompli. Maintenant, les ennemis au sol, qui se trouvent là-bas. Oh mon dieu, regardez ça, comme il y en a beaucoup. Je vois de la fumée noire à droite qui apparaît. Bon, est-ce que c'est des ennemis surcheatés? Je m'étonnerais. Ah, je suis désolé, je commence à me moquer du jeu, mais il y a de quoi quand même. Ah ok, la fumée noire, c'est parce qu'ils sont en train d'attaquer notre base. Donc je dois aller les aider, attends. Voilà, oh mon dieu, j'ai tellement pris cher. Regardez ma barre de vie. Oh, ça va mieux. Mais je perds même plus de vie à part m'aveugler, ça sert à rien. Je les défonce en 2 secondes. Voilà, facile comme tout. Les éplins, bah, il y en a 2 quoi. Là-bas et un là-bas. Alors on va d'abord se faire celui-là. Puis on ira sur le deuxième et puis on aura fini le jeu et puis on n'en parlera plus. Et puis on ira sur Medal of Honor, les faucons de guerre. Bon, pas dans cette vidéo évidemment, mais. Limite, regardez, je suis sûr qu'il va exploser avant même que j'arrive près de lui. Grosse explosion. Voilà. Putain, je suis de 20 maintenant, voilà. Non mais vraiment, ça devient trop simple. Allez, dernier ennemi, on y va. On verra si on a fini le jeu ou pas après ça. Et voilà, c'est parti. Et ça, tirez-moi dessus, oh mon dieu, je vais mourir. Et voilà, mission accomplie, explosion gigantesque, voilà, aucun sous-size pour Benouille. Voilà nos stats, ça m'a pris allez, 7 minutes 23, non, encore beaucoup moins évidemment. Voilà, on va quand même sauvegarder vu que je pense que c'est la fin du jeu. Ah mais non, regardez, je peux même pas sauvegarder. Regardez, que je fasse rond ou croix dans les deux cas, c'est continuer. Donc j'ai vraiment fini le jeu. Voilà. Bravo, vous avez fait un miracle. Vous avez terrassé les forces ennemies. Notre position est assurée. Votre excellent travail ici et en Europe a prouvé que vous êtes un vrai as. Oh, je suis tellement un as, il me suffit de rentrer dans mes ennemis en plein air pour qu'ils explosent. Le Baron Rouge lui-même serait envieux de vos exploits. Ce fut un honneur de travailler avec vous. Ah d'accord, donc le Baron Rouge, en fait, j'ai même pas dû le... Mais on l'a même pas vu. Partie terminée. Voilà. Et il n'y a même pas de musique dans le générique final. Mais... Bon bah écoutez, pendant que le générique passe, je vais quand même le laisser. On va débriefer un peu sur ce The Enduring qui n'était pas terrible, je l'avoue. Donc, il y avait donc bel et bien 24 missions, 12 en Europe et 12 en Afrique. J'ai perdu un total de une fois et je ne suis pas mort une seule fois. J'ai perdu parce que j'avais détruit le camion rouge et que je pensais que c'était un ennemi alors que non. Il fallait juste que je le localise, voilà. Donc, le jeu était extrêmement facile, c'était indiqué au dos de la boîte. Je vais regarder si c'est PEGI 7 ou PEGI 3 parce que c'est tellement... Non, c'est PEGI 7, ouais, c'est indiqué ici. PEGI 7, bah écoutez, c'est un jeu vraiment simple. Je vais regarder un peu ce qu'ils disent derrière. Piloter les biplanes, les triplanes légendaires à la Seconde Guerre mondiale. De la Seconde Guerre mondiale? Je suis complètement con ou quoi? Les amis, je crois que je suis complètement con. Je viens de dire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fait, ça, c'est des avions de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas la première. Mais what the fuck, mais les avions, c'est pas des avions de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est des avions de la première, ça, quand même. Ils disent des conneries ou quoi, là?
Le baron rouge. J'irai me renseigner sur. Tu sais quoi, je vais me renseigner sur internet. Bah les couilles. Parce que là, le baron rouge, c'est quelque chose qui a vraiment existé en vrai, je pense. Si je dis pas de conneries. Désolé pour tous les bruits de câbles que vous entendez. Bah attendez, limite, ce casque-là, je peux l'enlever. Non, je vais quand même le laisser. J'espère juste que le bruit des câbles qui se cognent entre eux ne vous dérange pas. Attendez, je vais quand même faire gaffe. Ben regardez, on va revenir au menu principal comme on est là. Blabla, c'est bon, on m'entend toujours, ouais. Voilà, bon, y a juste la musique du menu principal ici qui est jolie. Voilà, enfin, je vous la laisse pendant ce temps-là, moi je vais faire mes recherches parce que là, ils disent que c'est sur la Seconde Guerre mondiale, et je suis pas d'accord, des avions de la Seconde Guerre mondiale ne ressemblaient pas à ça. Hein. Du coup, je vais aller me renseigner, et on va voir qui a raison. Alors, le bas... Non, pas le bon coin. Le baron rouge, voilà. Il y a un film carrément sur le baron rouge, je savais même pas. Alors le pilote du baron rouge c'était Manfred von Richthofen. Oh Richthofen, comme dans Call of Duty Zombie. Alors, le baron rouge. Voilà, en Allemagne, lors de la Première Guerre mondiale, le pilote Manfred von Richthofen, alias le Baron Rouge, est le pilote le plus craint et célèbre de l'armée de l'air impériale allemande. J'en étais sûr! Sa passion pour l'aviation lui ferait presque oublier que l'Europe est en guerre. Quand il tombe amoureux de la belle infirmière Kate, il réalise son image, la propagande, il doit changer son dégoût pour la guerre et son sens du devoir. Voilà, et il est né en... Je vais vous dire en quelle année il est né... en 1892 et il est décédé en 1918. Alors n'allez pas me faire croire que ce jeu se passe durant la Seconde Guerre mondiale qui est entre 40 et 45, c'est impossible. Donc ce qu'ils disent au dos de la boîte est une énormissime connerie, on est d'accord. Je vous jure, il fait marquer piloter des biplanes et des triplanes légendaires de la Seconde Guerre mondiale. Connerie. Il me semblait bien que j'étais pas retard à ce point-là, des avions parés de la Seconde Guerre mondiale, faut pas me prendre pour un con hein. Non, c'est bon. Défendez-vous contre des assaillants de toutes parts dans un combat d'aviation de chasse spectaculaire. Lancez des bombes, participez à des tirs RR, what? Et semez votre adversaire par des esquives tactiques. Bon, c'était très tactique, hein. Leur rentrée en plein dans la face, c'était tellement tactique. Participez à des combats entre avions de chasse. Et là, c'est en anglais. Il y a un truc qui n'a pas été traduit au dos de la boîte. Dodge and outwit the enemy with stunt and skillful move. Il y a juste une phrase qui n'a pas été traduite en français. Bombarder des cibles ennemies, plonger dans l'atmosphère de la Première Guerre mondiale. Voilà, ils ont marqué la Première Guerre mondiale. Ils se contredisent eux-mêmes. Ils sont cons. Mais non, sérieusement, il a eu combien? Attends, je vais aller voir ce jeu. Quelle note il a eu? Parce que là, franchement, je suis quand même... Je me pose quand même des notes, là. Quelle note a eu ce jeu? Voilà, il a eu un 5 sur 20, mais tu m'étonnes. Ce jeu a reçu un 5 sur 20. Oh putain. Non, franchement, non. Franchement, ils auraient pu faire beaucoup mieux comme jeu. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Je vais regarder le test, ce qu'ils en disent. Voilà, je suis sur jeuxvideo.com à la base. Classique. Alors, graphisme 4 sur 20. C'est vrai que c'est 2005 pour de la PS2, il y a quand même moins de fermure. Regardez Medal of Honor, Bataille du Pacifique, c'était en 2004. C'était beaucoup plus beau. Ah, ils disent, faisons encore dans l'œuvre d'art nos amis de Davilex. Ah ouais, c'est Davilex qui a fait ça, mais ils ont fait des... Ah, mais oui, c'est pas eux qui ont fait d'autres jeux un peu merdiques comme ça. Le joueur du grenier, il a testé des jeux Davilex, je crois. Putain, mais je pensais jouer à un bon jeu, je suis désolé. Je suis désolé. Oh putain. Devant les reproches faits à leur jeu buggé, on décidait carrément d'en mettre le moins possible. En enchaînant les environnements sans âme et avions modélisés sans soin, le Baron Rouge ne parvient pas à se détacher de ses lacunes. Heureusement, on retrouve l'anglais à moustache qui vaut à lui seul un coup d'œil furtif, un petit côté magique, tout ça. Ah justement, j'ai pris pilote anglais. Jouabilité 6 sur 20. Oh, non, je suis pas d'accord. Jouabilité, ça va. On peut ralentir, accélérer, bombarder, tirer. Les mouvements dans les airs se font bien, sont pas trop galères, donc ça va encore. Ah, ils disent, pour une fois dans un jeu de Davilex, un minimum d'entraînement est nécessaire. Ah voilà. Pour maîtriser les différents véhicules à votre disposition. Mais il n'y en a qu'un seul.
Néanmoins, passé cet effet de surprise, vous remarquez vite que les coucous présents réagissent la plupart du temps bizarrement. Ouais, c'est vrai. Même face au meilleur pilote. Ouais, c'est vrai, même face au meilleur pilote. De fait, on se demande si le studio nordique a voulu s'essayer de la mauvaise simulation, ou si tout simplement les divers Zinc sont incontrôlables. Mais ouais, ils n'arrivent pas à les piloter, ils n'arrivent même pas à me suivre. Et c'est en fait ce qu'ils ont marqué derrière la boîte, enfin un jeu d'arcade facile. En fait, c'était une excuse parce que leur jeu était mal fait, c'est ça. Durée de vie 8 sur 20, putain, ils sont sympas. Certes, le jeu dispose de 24 missions, voilà, c'est bien ce que j'ai fait. Mais lorsque l'on voit le peu d'intérêt que 3 ou 4 suscitent, on se demande bien comment trouver le courage d'aller jusqu'à la fin du jeu. Je l'ai fait ! D'autant que la majeure partie des épreuves se boucle en à peu près 10 minutes avec un peu de sang-froid. De plus, vous n'aurez rien à débloquer et aucun autre mode que le principal. Merci, David, pour les intimes. Putain, c'est vrai, il y a des missions les plus longues, 12 minutes je crois, et les plus courtes, une ou deux minutes, c'était ridicule. La bande son, 8 sur 20, ils disent. Le jeu s'en tirerait presque bien sur ce point. Ouais, c'est vrai que les musiques sont pas si mal, on l'entend. Si en prenant en compte que les compositions musicales... Ouais, si en prenant en compte que les compositions musicales, c'est ça qu'ils disent. En effet, certaines d'entre elles disposent de mélodies sympathiques et d'une sonorité correcte. C'est vrai, ça je suis d'accord. Toutefois, elles tournent très rapidement en boucle, voilà. Comme on l'entend là, elles recommencent une nouvelle fois. Et deviennent insupportables en moins de 10 minutes. Oh, ils sont un peu durs. 10 minutes, ils sont un peu durs. Les voix et les effets sonores sont quant à eux de bien piètre qualité en renvoyant à la figure nos maigres espoirs. C'est vrai que les bruitages sont assez répétitifs. Les répliques que notre mec disait « bye bye », il disait ça une fois sur deux quand il tuait un mec, c'est vrai que voilà. Donc en fait, je suis désolé, je pensais que le jeu était mieux que ça. Évidemment, j'étais jeune quand j'étais petit, quand j'y jouais, du coup, quand on est petit, ben, on s'énervait devant n'importe quel jeu. Voilà, donc du coup, mes souvenirs étaient un peu corrompus. Je suis désolé. Mais j'espère malgré tout que j'aurai partagé un bon moment avec vous. Oh, attendez, scénario, il n'y a même pas eu de note. Rapport final, attendez. 5 sur 20 le rapport final quand même. Ils sont durs, hein. Au moins, on peut dire que Davilex, par rapport à ses concurrents, suit une ligue de conduite irréprochable. C'est vrai, ils font toujours des jeux comme ça, apparemment. Jamais un jeu au-dessus de 8. Il n'y a aucun jeu qu'ils ont fait au-dessus de 8 sur 20, putain. Et toujours des problèmes au niveau de au fur et à mesure des années, putain. Si j'avais lu ça avant de jouer au jeu, j'aurais peut-être pas fait les Enduring. Mais bon, on aura partagé un moment marrant. La dernière production ne déroge pas à la règle et se présente comme un titre intéressant et mal construit. Malheureusement. Si vous avez une chose à retenir du Baron Rouge, c'est de ne pas acheter le jeu qui lui correspond. Aïe aïe aïe, mauvaise note. Et pourtant je l'ai acheté et j'ai même fini le jeu en Enduring avec vous, voilà. Donc voilà, j'aurais eu le mérite d'avoir tenu jusqu'au bout, voilà, simplement. Bon, les amis, trêve de plaisanterie, trêve de moquerie quand même, c'est pas bien de se moquer, mais là... On va quand même admettre qu'ils ont quand même fait des grosses conneries entre les hommes qui se suicidaient, les missions répétitives, la simplicité, et même à la fin du jeu, avec les statistiques qui évoluaient, mon avion devenait vraiment invincible. Donc voilà, je suis un petit peu déçu du... Enfin, je suis même assez bien déçu du jeu. Et voilà, c'était un Enduring, c'était une transition, on sera bien marré, j'espère que vous aurez quand même bien profité. Donc voilà, c'était Bonneuil pour le Enduring numéro... Je sais même plus c'est le quantième, le Enduring, le... Oh, je sais plus, 12e ? Oh, je sais plus du tout, les amis. Je sais pas vous dire le chiffre exact. Et le nombre de temps qu'a duré le The Enduring, je vais essayer d'estimer. Je pense qu'il a duré... C'est la 7e partie... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je dirais qu'il a duré un peu plus de 3 heures. Je pense. Un poil plus de 3 heures. Voilà, donc c'est un The Enduring assez court, très buggé, franchement, et la grande évasion, je vais aller voir, parce que la grande évasion, ok que c'était un jeu hyper buggé, extrêmement moche, mais lui au moins, il y avait du challenge, et il était marrant, et le gameplay se variait un peu plus. Du coup, je vais aller voir la grande évasion, tiens, tant qu'on y est, quelle note il avait eu, parce que je suis assez curieux. La grande... Pourquoi je suis sur YouTube? Je suis complètement con. La grande évasion PS2. Alors, faites-moi rire, quelle note il a eu? Ah, il a déjà eu une meilleure note, hein. Bon, elle n'est pas extraordinaire. Mais il a déjà eu une meilleure note. Je vais vous dire ça dans un instant.
Voilà, il s'est reçu un total de 10 sur 20. Pile la moitié. Et les joueurs lui ont donné 11 sur 20. C'est un jeu marrant et tout, mais il est très moche et très buggé. Hein. Voyons voir qu'il est... Je vais pas dire tous les détails, mais genre, graphisme 11 sur 20, voilà. Pour ceux qui se rappellent du Zendring sur la Grande Évasion, il était déjà plus intéressant que celui-ci, donc je vous conseille d'aller le voir. C'est la vidéo la plus longue de la chaîne, la Grande Évasion. Vraiment, de toutes mes vidéos, c'est la plus longue. Elle dure plus de 9 heures, c'est un truc abusé. Voilà. Jouabilité 12 sur 20, vous voyez, il a quand même eu des meilleures notes. Durée de vie 8 sur 20 seulement, bande son 9 sur 20, et scénario 15 sur 20. Là, c'était déjà bien. Voilà, pour un total de 10. Donc la Grande Évasion était quand même un jeu mieux fait que celui-ci. Voilà, donc, est-ce qu'on a déjà joué à un jeu pire que celui-ci sur ma chaîne? Bon, il y a toujours pire. Peut-être pas jouer, enfin, je serais pas, j'ai déjà fait tellement de vidéos sur ma chaîne que j'aurais du mal à tous y réfléchir comme ça d'un coup, mais... De toute façon, on va pas trop se moquer, on a fini le jeu, voilà, on leur a donné respect d'avoir fini. J'espère que ça vous aura plu, qu'on sera bien marré, et je vous dis à très bientôt, donc, pour de prochaines aventures, et pour le début de Medal of Honor, les Faucons de Guerre, qui lui... est un véritable bon jeu, je vous le promets. Vraiment, à tel point que j'allais voir sa note. Attendez. Medal of Honor, les Faucons de Guerre. Je vais aller regarder son test sur jeuxvideo.com. Quelle note a-t-il eu? Il a reçu la note... Oh, seulement 13 sur 20. Oh, il a reçu qu'un 13 sur 20, Medal of Honor, les Faucons de Guerre. Mais les joueurs sont pas très d'accord parce que les joueurs lui ont mis un 15 sur 20. Donc, vous voyez, les notes sont quand même plus rassurantes, du coup on passera un bon moment. Mais c'est bizarre qu'il ait une si mauvaise note. C'est dans mes souvenirs. Attention que c'est encore des souvenirs d'enfance lointaine, donc j'ai peur de dire des conneries, mais dans mes souvenirs c'était vraiment un super bon jeu. Je vais regarder les autres, tant qu'on y est. Ouais, on fait notre petite recherche. En première ligne. Medal of Honor en première ligne, c'était le premier sur PS2, c'est vraiment le premier Medal of Honor auquel j'ai joué. Il était tout simplement mythique. C'est vraiment le Medal of Honor que tout le monde adore, celui-là, donc. Celui-là, logiquement, ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Medal of Honor en première ligne, il a eu un 17 sur 20. Voilà, vous voyez. On va aller voir en Bataille du Pacifique. Bataille du Pacifique, je trouvais quand même un poil moins bien, parce qu'il avait les alliés qui parlaient de trop, qui nous gênaient et tout. Donc à mon avis, il a eu une moins bonne note. Voilà, il a eu un 14 sur 20 de Bataille du Pacifique. Et un 13 sur 20 par les joueurs. Donc, vous voyez... Ah non, 15 sur 20, pardon. Autant pour moi. Ah non, non, oui, il a eu 13 sur 20 comme test, et 15 sur 20 par les lecteurs. Bon, j'ai de la merde. Bah, je sais pas, il y a des notes qui changent tout le temps, et ils savent pas ce qu'ils disent non plus. Bref, c'est pas grave. Donc, vous voyez que c'était pas le meilleur Medal of Honor en Bataille du Pacifique, même s'il était quand même très bien, hein, on va pas se le cacher comparé au jeu auquel on vient de jouer. Voilà. Mais vous inquiétez pas, les Faucons de Guerre sera un très bon jeu, j'en ai des bons souvenirs, donc y a pas de soucis. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Pour le début de Medal of Honor, les Faucons de Guerre. Allez, bye bye les amis, merci d'avoir regardé.